Est-ce que je suis toujours aussi beau? Est-ce que t'es toujours aussi beau gosse? Eh ben non, mais on n'est pas là pour ça. Bonsoir à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Je vais juste faire deux, trois petits réglages. Si vous me voyez plus, c'est normal. De toute façon, vous n'êtes pas là parce que je suis beau. Et ça, c'est ça qui est beau. Alors, du coup, je ne serai pas seul, hein. Évidemment, peut-être que vous avez déjà entendu le très cher Curtis Sama dans Putain, le carrément, j'ai le background. titre Sama, c'est Tu as le relou. Sama, oui, quand tu l'arrives pas, tu es C'est le Sama. titre suprême, mec. Alors, je vais m'excuser, messieurs, dames, je vais juste regarder un petit détail, je vais voir si. Oui, merci de me rappeler que je suis en live. Je laisserai Curtis le soin de faire ça du coup. Tu me diras, poto, Si elle se met prêt, si tu entends la musique en fond. ouais, je vais lui dire ça tout de suite. Là, tu l'as lancé. C'est en cours, ouais. Donc. Parce que du coup, j'ai regardé depuis mon téléphone, pas depuis mon Ouais, PC. pas de soucis. Je vais lui Pas de casser le problème, casque c'est pour la juste pour. musique. Parce que j'ai vu des gens qui disaient que. Apparemment, la musique qui passe. Ok. Elle est entendue. Est-ce que c'est le cas? Je suis pas sûr. Putain, ouais. Putain, je... Ah, voilà. Putain. T'as mis la musique là? Ouais, la musique tourne là, donc si tu entends Ok. pas. Oui, il y a. Ok. Ça marche. Ok, putain, c'est marrant, il me semble que sur PS4 ça passait pas. Ouais, c'est possible. J'ai vu que sur PS5 ils ont dit que ça marchait, donc j'étais curieux de voir. Stylé. Ok, donc il y a moyen de faire. Et puis vu que je peux régler le son de la musique directement, je vais peut-être baisser un peu. Voilà, je sais pas. Ça, c'est cool qu'ils aient fait ça. Ouais. Alors, messieurs, dames, du coup, on va attendre le Curtis-sama. Bah ouais. Qui finit sa copie en cours. Hein. Je suis à 44% là. Voilà. En attendant le nouvel an chinois, bah on va faire le tour un peu de ce qu'il y a de nouveau ensemble. Hein. Parce qu'on est là pour ça aussi. On est là pour douiller. Non, pardon. Gagner des tenues. Hein. Ok, donc il y a le nouvel an lunaire 2021. Ça, bon, c'est comme chaque année, hein, on a des nouveaux skins. Les skins ont l'air bien sympas, ils en ont teasé 3. Normalement, il y en a 5 en général. Alors, qu'est-ce que c'est? Nouveau mode de jeu, choc, chasseur de primes. Testez vos talents dehors la loi avec la dernière nouveauté de l'arcade, chasseur de primes. Effectuez la première élimination de la partie pour devenir la cible et ainsi remporter des points bonus pour chaque élimination supplémentaire. Mais attention, quiconque vous mettra au tapis deviendra la nouvelle cible. C'est sympa! C'est plutôt sympa comme ce truc. En gros, Bah tu ouais, fais c'est genre. cool. Ok, celui qui fait la dernière. Celui qui tue la cible devient la cible. Mais tu fais plus de points en éliminant des cibles des autres adversaires. Il y a l'idée. C'est pour le mode arcade, ça. C'est pour le mode arcade. Puis vu que c'est de l'élimination, ça va être du 4v4 ou un truc comme ça. 3v3. Enfin, du chacun pour soi, mais. Ok, pas mal. Mais à 8 joueurs, je pense. Donc on verra. Bienvenue, bienvenue à tous. Bienvenue sur cette chaîne magnifique. Oh là là, qu'est-ce que je Belle sais me chaîne. vendre. Magnifique. Bon, après, vous avez vu, mise à jour des fonctionnalités, comment avancer pour le lecteur vidéo. Ça, on s'en tamponne un peu. Le coquelicot, bonsoir à toi, Zaytok. Notre bonsaï qui vient dire bonsoir, t'as vu? Oh, ce beau gosse. Donc après, vous avez Quel eu beau plein de gosse, ces fixes. ailes. Voilà. Du coup, passons aux choses sérieuses. Quoi de neuf? Alors, alors ça c'est les. Ça va et toi, Zaï? Écoute, on fait une petite découverte du nouvel an chinois sur Overwatch. Donc là c'est un des skins. On va passer à travers les skins, les trucs. Hein. Donc là Ouais, c'est j'ai pas fait de liste. les défis de la semaine. Baptiste est stylé, ça fait penser au statut
des armées de Chine, je sais plus comment ça s'appelle du coup. Ouais. Mais très stylé, donc c'est lui qu'on a cette semaine. Semaine 3, on a. Oh la tête que ça lui fait au faucheur! Alors je peux pas zoomer. El Mustachio! Ah, je trouve que ça lui fait une tête, ça change tellement d'habitude, ça fait une tête sérieuse business là. C'est stylé, je trouve. Sympa. Avec les dragons dans le dos, c'est vraiment sympa. Ah oui, attends, bon, j'ai pas besoin de trop regarder l'arme de Baptiste parce que c'est tout terre cuite quoi. Voilà, ouais, l'armée de terre cuite, c'est ça. Et l'arme de faucheur, bon, je vais pas enlever le skin doré parce que c'est des skins épiques donc y a pas de. Ok, sympa, hein. Et on a le Macri. Il y a de l'idée. Après, bah, ça colle pas trop avec le style de Macri en soi, hein, mais il y a de l'idée. L'armée Ouais, classique. j'avoue. Ouais, ça va. C'est genre l'Américain qui veut se. Qui veut rentrer dans le monde asiatique, quoi. Ouais, c'est le Sympa. touriste en fait. C'est le Bon, touriste. ensuite, alors, du coup, pour les 5 légendaires. Ils ont teasé la hache, la Echo et la Orisa il y a 1 heure. Donc on va découvrir le bastion et la fatale. Mais on va quand même passer au cœur des 5. Donc en vrai, c'est le Bob qui fait tout le skin là. Il n'y a pas moyen. Ça fait Tekken quoi. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Ça fait penser à Tekken, j'avoue. Ah, il est stylé avec ses griffes. La hache est pas mal non plus en soi, mais bon. Ouais, elle est pas mal, ouais. Bastion, c'est le plus important. Du coup, t'as vu, tu arrives au bon moment, Zaï, parce que. Bastion. Bastion. L'arme est vraiment jolie, par contre. J'avoue que ça fait très. Ouais. Petit côté éventail. On va faire du vent. Bon, le shotgun, rien de spécial. La dynamite. Ah, c'est. Papier cadeau, quoi. Très joli, très joli. Et puis Bob, hein, Bob c'est Bob quoi. C'est. Oh, c'est beau. Comme à son habitude. Pour le coup, tu vois, il faudrait qu'il fasse. Pour ce genre de skin légendaire, des fois t'as des effets sonores qui changent, des petites choses. Et il devrait miser là-dessus en vrai. Là, tu vois, le bastion, le Bob, quand tu l'envoies, au lieu qu'il tape de bas en haut pour monter quelqu'un en l'air, il devrait faire une sorte de slash avec ses griffes, tu vois, ça aurait été stylé. Ah, j'avoue. Ouais, le Bob, ouais. Ah, Le Bobicito. c'est moi qui lui ai tout appris. Voilà. Du coup, le bastion. Oh là là, le bastion, ouais, quand même. Hein. Ah, il a du travail, hein. Au niveau du détail, il est travaillé. Hein. J'aime pas trop en vrai. Alors, je trouve que c'est très. C'est un peu too much quand même. Son Ils ont trop. Moi, je trouve que ils ont trop de trucs. l'idée du dragon, je veux bien. Mais ouais, c'est trop. En fait, ils ont trop fait genre flamme, quoi. Enfin, le côté flamme, il ressort trop. C'est. Ouais, vraiment. Le torse est très stylé en vrai. Oui, le Torse tête torse, de ouais, dragon est mais stylé. Et le reste, c'est mal. c'est un peu trop, je sais pas. Ouais. Mais j'aime bien sa tête, elle me fait marrer par contre. Ouais. Ah, ça, c'est stylé quand même. Ah ouais, la tête de dragon derrière, du coup. En tourelle, Ouais. ça passe un peu mieux. Ouais, en tourelle, ça va mieux, je suis d'accord. Mais ouais, c'est pas le meilleur. Hein. Non. Puis elle a la bouche fermée. Vroom, 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 vroom. Ah, du coup, pour le coup, j'aurais fait un petit truc spécial pour que la tête de dragon se retrouve au niveau du canon. Que ça fasse genre, il crache des boules de feu et tout, mais bon. Qui crache des Ouais, boules de feu, tu veux exactement, dire? Zay, exactement. Tu vois, on a les mêmes idées. Tu vois. Franchement, un développeur chez Blizzard, ça doit être nous. Hein. Alors ensuite l'Echo, j'étais, je trouve que c'était la moins, celle qui a été présentée, c'était moi la moins ouf, mais elle rend quand même bien. Hein. Je dis ça, elle rend quand même très bien. Après, je me suis pas renseigné parce que le Kachi, je pense, je sais pas comment ça se dit, hein. Kachi, Kachi. Ça doit être une référence à quelque Franchement, je sais chose. pas. Mais très sympa. C'est dans le thème oiseau, c'est assez cool en vrai. Ça rend bien. Les cerfs sont. Au niveau des détails, ils font quand même des efforts de ouf. Hein, parce que là. Ouais, c'est vrai que c'est pas Deux, trois petits mal. détails, ça rend bien.
La tête, je Une l'aurais banane peut-être pas sans laissée bleue, tu vois. J'aurais peut-être changé la couleur de peau. Je sais pas. Mais non, très bien, très bien. Ensuite, la fatale découverte. Ok, serpent pâle. Du jeu. Alors, Sabre. le côté ben, pâle du titre est bien rendu. En vrai, le blanc, ça c'est pas mal. On voit un peu le détail sur l'épaule du serpent et tout, ça rend bien. Oh là là, Alex qui débarque. Ah bah, ils ont misé serpent pâle, il fallait pas Yo t'attendre à Alex. du rouge fluo non plus, hein, c'est sûr, mais. Quel beau gosse. Ah, c'est beau, y a la famille qui est là. L'arme rend bien en vrai, l'arme rend assez bien. Avec la petite gourde dessous là, ça fait rêver. L'arbre sort bien, l'arbre. Il y a du détail, hein, il y a du détail. Ouais, on va dire que ça passe, quoi. C'est bien. Après, faut jouer fatal aussi. C'est ça le truc. Et maintenant, le dernier qui a teasé à 1 heure, franchement, c'est cool. C'était forcément qu'il allait avoir un personnage qui allait être sur le thème du taureau, vu que c'est l'année du taureau. Voilà. Il n'y a pas des détails de ouf, mais. Il rend super bien en vrai. Ouais, ça va, ouais, pas mal. Il est vénère. Voilà, c'est vénère donc. Bon, après en soi, alors je vais pas faire de comparaison maintenant, mais tu regardes Orisa de base et celui-là, il n'y a pas énormément de changements hein, parce que t'as les bases quoi. Les cornes sont un peu plus longues, t'as l'anneau dans le nez quoi. La tête sur le torse, elle est stylée. Après, Eh ben, tu vois, typiquement, Zai, tu vois, ça, c'est une idée. C'est une idée. Bah, déjà, faudrait qu'il y ait du cross. Comment on dit, du crossover, un peu. Entre les trucs. Faudrait qu'ils payent la licence en fait, ça. Ouais, c'est ça, pour avoir des droits. Et c'est dommage d'ailleurs que Blizzard fait pas ça, pour avoir des skins un peu plus. Un peu plus stylé. Mais oui, tu vois, c'est tout bête, mais oui. Parce que le principe de base de Bob, c'est qu'il te tape et qu'il t'envoie en l'air. Donc imagine Mais effectivement pourrait faire un Shoryu. je sais pas moi, une hache en Chun-Li, je sais pas, mais. Parce que Bob, moi, je le verrais bien en Akuma, du coup, tu vois, vraiment un peu vénère. Tu vois, peut-être en Ryu, ouais, oui, Ryu aussi, ça jouerait. Voilà, et puis il te sort un Shoryu. Et ouais. Mais ça demanderait trop de travail en vrai. Déjà qu'il galère à faire du contenu. Bon, les skins sont pas mal en vrai. Je pense que pour le coup. Ah ouais, le Bob, c'est le Bob. Le Bob détrône tout le monde cette année, je trouve. Donc voilà. Et les skins épiques, mine de rien, gagnés sont sympathiques. Hein. Le Macrier passe ouf ouf, mais la tête du faucheur là, elle me vend du rêve. On dirait un. Ouais. Bah, il a une tête un peu d'empereur chinois là, avec cette petite barbichette, sa moustache là. Taiho, Taiho! Ouais, voilà, c'est beau. Voilà, soyons bien jusqu'au bout, hein. Faisons les choses bien sales jusqu'au bout. Après, je dis pas, hein. Zai, Echo, Orisa sont très bien travaillés. Hein. Au niveau des couleurs, Orisa est cool. Avec sa tête bleue comme ça ressort super bien. Et là, Echo est plutôt jolie aussi au niveau des couleurs, ça ressort bien. Pour le coup, ben Bastion et Fatal, les deux qu'on n'a pas vus, je pense qu'il les tease pas parce que c'est des bons à ouf. En vrai, il parle là-dessus. Hein. Alors, célébration, qu'est-ce qu'on a? On a de la Brigitte. Avec son petit chat que je ne sais plus le nom, vous m'excuserez, hein. Je m'en tamponne un peu du nom du chat de Brigitte. Plus du tout, franchement. Il y a l'émote a le nom du chat, je crois. Mais bon. Ouais, c'est pas mal. On dirait, ouais, je passe. On dirait, c'est marrant, on dirait un perso de paladin. Je sais pas pourquoi. Ouais. Peut-être, Alex, peut-être, je sais plus en vrai. Voilà.
On peut l'appeler Poupie si vous voulez. La célébration de Moira, alors je suis toujours fan des célébrations ou des trucs où t'as un peu plus d'animation que d'habitude. Donc là, la Moira, elle vend du rêve. Il y a de l'idée, avec son petit spray qui fait un peu souffle du dragon. Voilà, vous voyez, c'est bête, c'est des trucs de merde, de base, on va pas se mentir, ces célébrations, ça sert un peu à rien en soi. Mais ils ont travaillé dessus, donc il y a le côté à mettre en avant le côté du travail des développeurs quand même. Parce que Il y a bon, un petit effort. ils font rien, mais pas, apparemment pas rien, rien. Bah, le truc, c'est que les skins, ça rapporte de l'argent, donc là, ils taffent, quoi. Eh ouais, exactement. Les devs ont travaillé. Bah Alors, Hongbao, soldat Hongbao. Alors, le skin n'est pas du tout adapté, évidemment. Ça fait genre lettre donnée à l'empereur, un peu. Ouais, ou qui donne de la ouais. thune, j'en sais rien. C'est stylé, en vrai, c'est toujours sympa, des gars à genoux, des gars accroupis, des trucs. Argent, donnez-moi l'argent. Ouais, typiquement, ça, c'est la célébration qui dit. Oubliez pas que c'est un event, donc il faudra douiller, les gars. Oubliez pas de douiller pour nous. La Alors, carte, faites-la chauffer. je vais juste augmenter le son du. Baisser un peu le son de la musique. Je sais pas si vous en entendez beaucoup la musique en vrai, donc. Bon, dans 5%, j'ai fini la Ok, copie. voilà, on va passer aux répliques, parce que les répliques, je suis de retour. Les répliques, c'est quelque chose de stylé en vrai dans le jeu. Alors. Comme un bœuf. Ouais, fort comme un bœuf. Eh ben, tu sais quoi? Non. Désolé, Alex, non. J'aurais pu, c'est pas. J'ai hésité, c'est vrai que les events. En vrai, je sais pas ce qui coûte le plus cher, donc quand il y a des events, des fois, j'aime bien faire la collection. Mais vu que. On est trois, en vrai, on est trois. Pas aujourd'hui. L'event va durer 3 semaines, pas aujourd'hui. Mais l'idée est bonne. On verra. On va faire un. Ça marche bien, tout le monde veut voir de l'opening. Après, en vrai, faire de l'opening pour voir ce que je vous montre maintenant. On fait le tour de ce qu'il y a dans le jeu. Après, on va faire du chest opening pour vous dire ah ben ce que je vous ai présenté avant, je l'ai eu. Cool. Voilà. T'as pas de bouton pour faire répéter là. Fort comme un bœuf. Fort comme un bœuf. Ouais. Bon. Ouais, c'est ça. Je vais avoir du doublon à gogo. La vie est un rodéo quand tout va bien. Ok, la vie est un rodéo quand tout va mieux. Ça va. Il suffit d'être persévérant et un peu verni. Ah oui, t'as un coffre gratuit. Waouh. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. En vrai, les pour moi, les punchlines où c'est un peu des leçons de vie, philosophie, morale, je suis pas. J'aime bien les références, je suis pas ouf. Moi, j'aime que ce soit un peu décalé ou que ce soit tranchant, quoi. Faut que ce soit du clash, quoi. Les répliques, c'est pour clasher, quoi. C'est. C'est Je le vous clash souhaite une là. nouvelle année prospère. Une nouvelle année prospère. J'aimerais tellement pouvoir manger. Ouais. Mouh, bonne année du bœuf. Ouais, vous voyez ça? Mouh, bonne année Et du ben bœuf. voilà, la réplique de May, elle est complètement pourrie, mais dans le bon sens. Juste parce qu'elle fait mou au début. Bonne année du bœuf. Ouais, typiquement Alex, le derrière toi. Ah! Non, je plaisante. Du Baptiste, c'est une très bonne réplique. Tu vois, elle est stylée, tu Déplaisant. vois. Ouais, c'est nul. Fort comme un bœuf. Plutôt comme 8. Ouais, intéressant. Le gaillard van de os. Voilà, alors le gouriard de Bourse. Je n'ai pas dit comme il faut, hein, parce que je ne parle pas flamand. J'arrive tout de suite, mon bro. Voilà, bonne année du bœuf en flamand là. Ça c'est stylé. J'adore les punchlines flamands de Sigma là. Tu travailles trop. Comment peut-on tolérer un tel chaos? Oh, il y a Aspen. Ouh, le Aspen. Ah mais il est. T'es quoi, Aspen? Tu vas de quoi ou t'es encore en réunion de famille là et réunion de famille non. T'es en raclette encore? Je te spoil pas les skins. En vrai, on a déjà eu les meilleurs, hein, mais je te spoil pas les autres. Alors, comment peut-on tolérer un tel chaos? Pour les
feux d'artifice rouge, utilisez un composé de strontium. Pour le vert, essayez le barium. Putain, première fois qu'il est écrit dans le chat, Aspen. Ouais, j'avoue, ouais, c'est beau. Merci d'être là, poteau. J'espère que t'as bien mangé ta raclette. Raclette suisse en plus. Suisse en plus. Ah non, le Aspen, malheureusement, il n'est pas de chez nous. Enfin, malheureusement. Non, non, mais... Il n'est pas de chez nous. Bon, je passe outre les tags, les gars. Et on va directement aux célébrations. Normalement, les célébrations, s'il n'y en a que deux, c'est Echo et Diva qui nous ont présenté. Voilà, bouquet final avec le feu d'artifice. Voilà, c'est juste une c'est une repompe de la l'entrée en scène selfie. Et l'éventail Echo est assez cool en soi. C'est assez stylé. Hein. Ok. Ok, alors. Vu qu'on a de la maille assez pour de skin. Évidemment. Orisa d'abord. Et la hache. Et je me ferai un kiff plus tard pour acheter la Echo parce que je joue beaucoup. Voilà, mon petit coffre que je vais dépenser devant vous pour avoir, bah pour rien avoir, hein, j'attendais pas grand chose de toute façon. Ok les gars, bon, et eh ben sur ce, on va quand même jouer au jeu. Hein. Ah ouais, alors Aspen, les skins, franchement, on a vu les trois meilleurs, je pense. Hein. J'aurais dit encore, mais les deux autres légendaires sont pas. Sont bien, mais sans être bien. Et par contre, les épiques, ils font du taf sur les épiques, hein, parce que les trois sont quand même cool. Alors, je vais me connecter au Curtis-sama Game. Vas-y. Vous avez été invité par Curtis-sama. Putain, si c'était écrit ça, ce serait incroyable. Alors, je vais juste augmenter le son de la musique. Je sais pas si je monte le son de la musique, ça augmente le son du stream aussi, mais normalement, oui. Ouais, non, les deux mix sont reliés. Ok, parfait. Et on est prêt à casser du mouloud. Prêt du mouloud. Eh oui, les phrases qui veulent ne rien dire ont le plus de sens. Ouais, Oh, ce que tu veux, de toute façon, je suis open à tout. Toi, proposition en salas. Après, il y a le. De toute façon, faut juste faire des victoires, quoi, pour débloquer le. Le Baptiste. Vas-y, je lance la ranked en duo. Ah oui, quand même. Vous avez la voix du Seigneur. On va jouer flexitarien. C'est beau ça. Le terme le plus inutile au monde, si jamais vous voulez absolument gaspiller votre salive, bah vous utilisez. Je suis flexitarien. Ah bon, ça consiste en quoi? Bah je mange de tout. Ok, cool, super. Ah, ok. C'est incroyable. Moi aussi, je mange de tout. Je suis pas flexitarien. Ah. Mais t'es quoi alors? Bah je mange de tout. T'as loin de putain, on est deux healers donc. C'est beau, regardez-moi ça les gens. Tu veux prendre qui? Bon de toute façon je peux pas. En flex je joue pas tant que j'ai une cote. Ah oui c'est vrai. On a des grandes responsabilités hein. Du coup. Non je déconne, c'est pas vrai. Tu prends qui? Alex, il veut que tu piques Brigitte. Il aime bien Brigitte, Alex. Ouais, mais. Ouais, elle est cool, mais sur cette map, je sais pas. Attends, j'ai qui? Non, en vrai, c'est faisable, hein. Vas-y, hein, je vais le faire pour le bro. Par contre, je vais. En vrai, j'ai enlevé la musique, parce que. Ça colle pas. Merci. Ouais, merci en défense, Aspen. Y'a pas de problème, je te prendrai la merci en défense. Présente. Ouais justement, vu que c'est close
Alors si jamais sur le chat, si jamais vous voyez que ma cam elle disparaît, c'est parce que quand je vais dans le menu rapide de la console, ça, il n'y a que le son du micro qui reste actif, la caméra se désactive. Et d'ailleurs même peut-être l'image pour le jeu, il faudra que vous me disiez. Alors moi je veux bien si... Il est où le Reinhardt? Ah ouais, mais si le Reinhardt il joue pas avec nous... J'ai vu un truc bouger là. C'est magnifique. J'ai loupé, il y a une fatale. Ok, on va changer de côté. Et le Reinhardt en fait il joue sa vie, hein. Il joue pas avec nous. Ouais, c'est cool. Voilà. Alors du coup je vais changer. Si tu m'en excuses Alex. Mais tu peux jouer avec un Reinhardt si le Reinhardt il ne fait pas que reculer et faire des gauches-droites, enfin qui prennent pas d'initiative quoi. Et là le mec je sais pas ce qu'il attend. Je sais vraiment pas ce qu'il attend. Ouais. C'est un Rhinoob, effectivement. Hop, un slip qui passe et on arrête la Moira. Vous avez vu ça, c'est du slip de qualité. Il y a un peu de chat aussi, on va pas se mentir. Hein. Ouais, parce qu'il a peur de se prendre une balle du faucheur qui viendrait du ciel, quoi. Putain, je prends la bombe de là. Putain, je suis tout seul, c'est moi qui... Putain, il se fout de ma gueule, le Reinhardt. Ok. Hop, allez, ça dégage. Non ? Non, il a toujours pas tué le faucheur, sérieux ? Équipe de bras cassés. Oh, j'ai loupé ! C'est bon, on le tue, bien magnifique. Joué. Joli, bien joué. Au-dessus, attention, fatal. Ah non, mais stop. On va lui dire qu'il a misclick, hein. Ok. On va dire que c'est un misclic de la part du Reinhardt, parce que faire son marteau pilon là... Aïe aïe aïe. Ah, tu t'en vas, poto? Ok, bah tout à l'heure, alors tu nous diras quand t'es par là, poto. Quand t'auras digéré ta... digéré ta raclette, puis... quand t'auras biflé toute la famille là. Tu le fais, hein? Oh mon dieu. Ah. Il a phasé. Il a phasé. Il va nous casser les bonbons encore. C'est cadeau ça. On a nous un petit chacal, ça passe. Ils sont rincés en fait en face. Ouais, moi je vais jouer au duel avec un Reinhardt, j'ai pas peur moi. Un Reinhardt, vous voyez, je perds même les noms des... Quand je suis dans l'action, je perds les noms de tout le monde quoi. Moi, un faucheur se transforme en Reinhardt, je dis de la merde, c'est beau, magnifique. Donc non, j'ai fait le duel avec un faucheur. Magnifique, bien joué, le Reinhardt a bien réagi pour une fois, ainsi que évidemment notre Curtis Sama qui suit bien le truc. Merci le bro. Ah, il est relou, il est tenu par la hanche là en plus. Oui, exactement, merci Zaytok, tu as raison. Attends, qu'est-ce qu'il a dit le beau gosse? Il a dit Faucher et Rain c'est pareil, sauf que mais en différent quoi. C'est il l'avait déjà sorti exactement. Cette phase, il l'avait déjà sorti. Tu peux la garder pour une punchline à toi, Zay, franchement, parce que ça, c'est le genre de phrase que j'aime bien. C'est vrai qu'on aime. On peut valider. On la valide à l'infini. Il est mort là, est-ce qu'il va venir par derrière? Non. Curtis, on t'aime, je t'aime aussi, Alex. Zay, je sais pas par contre. Je suis mitigé avec Zay. C'est trop d'émotion, il a brisé mon cœur. Ok, les gars, on y va, il y a plusieurs morts là. La range est morte. Là. Ouais, j'arrive. Et ouais, malheureusement, il fallait s'y attendre. Hein. Il fallait s'y attendre. Moi, je m'y attendais, mais il a pris son temps, le faucheur, pour le claquer. Ouais. Il en faudra plus. Ouais, j'ai vu ça. Je suis arrivé juste sur la. Mais là, les tanks. Ouais, ils sont tôle, mais. En polystyrène expansé, comme on dit. Ouais. Ils sont tous sur la hauteur là. Le Genji qui spam. Il apporte rien à sa team pour l'instant.
Bon, on fait avancer ce putain de payload ou quoi? Ok. Bien joué. Eh, magnifique. Ça, c'est beau, ça. Ouais, c'était bien joué, là. Il a bien retourné son shield comme il fallait. Putain, il est retenu. Oh, c'est beau. Oh. Non, il l'a pas... Non. Il est sérieux, il a pas... Putain. Non, mais il a craqué, le mec. Il ok, bah on va pousser le combat, hein, les gars. Bien joué. Ah, il est haut. Putain, il l'a... Okay. Ah, il y en a un qui a quitté en face, là. Ça rage quitte. Mais mon gars... Oh. On a passé un bon moment sur Grand Blue pour ton Curtis. Tu t'attaques à mon cœur comme ça, c'est toi qui t'attaques à mon cœur, bro. Hey Silver! C'est vrai que c'était sympa. Ah, un Silver sauvage apparaît en mode attaque. Ouais, j'ai fait la petite musique à l'ancienne là. C'est beau, c'est beau. C'est cadeau. Oh là là. Est-ce qu'ils vont s'en occuper de ce faucheur là? Parce qu'il me commence. On est en 5v6 là, hein. Le faucheur il voit rien. Ça va faire mal. Ouais, j'avoue, mais bon. Ok, bah dors alors. Tiens. Ouais, ouais, alors, là, s'il veut passer par derrière, ok, bah on va le faire dormir quelques secondes. Ça handicapera bien sa team, c'est cool. Putain, elle peut rester tranquillement elle. Bon, je l'ai tué. En fait, ils sont vraiment handicapés en face aussi. Hein. Ah ouais. Bah, pas qu'en face, chez nous aussi, en fait. Oui, oui, non, oui, oui, bien sûr, mais chez nous c'est habituel. Je veux dire, c'est pas. Je suis toujours comme ça. Bah là, ils vont amener le combat, sérieux? Ok, ouais. Bon. Mashallah. Ouais, ça va, et toi, Silver? Merci de ta présence, ça fait plaisir. Aïe. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Tu es venu voir du... Je vais arrêter de dire ça à chaque fois, parce que... à part dire que du gameplay de qualité alors que on n'arrive à rien faire. Tu... Ouais, là c'est passé au poil. Mais c'est cool, c'est cool. Tu viens t'amuser et tout. Machalux on the flux, exactement. C'est ça qu'on aime. On réinvente le péruvien, c'est ça qui est beau. Toujours pas Ego, mais la 4G qui sauve. Ah, ouais, je peux te comprendre. Moi, j'étais très longtemps en 5G là, en partage de co et on. Donc, je sais que j'ai pu y compter sur mon téléphone. Maintenant que j'ai une connexion de vrai, ça change ma vie. Ouais, c'est clair que ça change. Ça change ma vie. Je fais le tug et je prends Brigitte. C'est bon. J'étais obligé d'avoir une vraie connexion. Pour pouvoir vous montrer mon visage IRL. Et plus si affinité, évidemment. Hein. Ah bah oui, clair. Claire et net. Curtis qui fait pas confiance à sa team alors que c'est un support, c'est génial. Écoute, c'est diable, c'est normal quoi. Il y a que des autistes. Ah, ils ont quitté! Tu m'intéresses, Oli. Ah bon? Dans quel sens je t'intéresse? Je t'intéresse physiquement, intellectuellement, de manière... Dans tous les sens du terme. Tiens, dors toi, j'aime bien faire entendre les gens. C'est rigolo. Ok. Eh ben écoute, je vais pas être de mauvais soin, hein. Je suis quelqu'un de très ouvert, donc tu m'intéresses aussi. Hein. Ça c'est dit, c'est beau. Voilà. Ah bah tu devrais venir. C'est dommage, j'étais parti alors qu'Aspen était venu là. T'aurais dit ça à Aspen et. Ah, il aurait été tout chaud. Il va se faire ban. Qui va se faire. J'ai pas suivi. Qu'est-ce que vous racontez? Regarde, il y a un sur sa team d'autistes en plus. Ah, mais oui, mais après je suis en partie d'accord avec Curtis Sama, les gars. Hein. Parce que. Il y a des cas. Où évidemment, on doit faire confiance à ces tanks, les gars. Je suis d'accord avec vous. Mais quand le tank, tu es en train de le healer et il quitte sa position pour aller prendre un pack de soins, par exemple, est-ce que ça vous donne pas envie d'arracher des têtes, là? Ah, c'est ça. Ouh là là, ça rigole plus, il reste un bastion. Il veut pas se barrer? Non, lui, c'est le gars...
On a eu la même, le même truc hier, tu vois. On est arrivé sur une team, et ils ont commencé à quitter, et il en restait un. Il en restait un, et on s'est dit, est-ce que le dernier, il va nous pomper l'air pendant 4 minutes, ou il va quitter? Et il a quitté quand même, tu vois. À défaut de pomper autre chose, évidemment. Bien évidemment. C'est l'éclat. Ah, je suis quoi. Intéressant, on est tous... T'es intéressant, je pense, on est tous d'accord. Oh mon dieu! Il soigne ses stats, le petit, là. Ah! Écoute, Zai, moi j'attends que ça. Franchement, j'aimerais bien faire du duo tank avec toi, tu vois. Ouais, mais en fait, là, il dit ça parce que... Tu te souviens, c'est ça que la May avait fait, et je l'avais insulté, et du coup, je me suis pris le ban. Oui, oui, effectivement, c'est une référence au ban. C'est beau, ça reste, hein. Ça, les références aux trucs pourris, ça reste. C'est quasiment même, quoi. Ouais, non, mais ça reste toujours, c'est une commu extraordinaire. Mais ouais, ce serait cool. Il me faut des soutiens, tant que c'est chaud de jouer tank avec des randoms. Là, j'arrive pas à atteindre, vous voyez, je suis à 2976, là. J'arrive pas à atteindre le diamant, hein. Il me manque une, deux victoires, là. Vas-y, dors. Arrête d'embêter avec ton bastion. Oh, ouais, il s'est pris. Oh, il a failli la tuer. C'est la meilleure game au monde, quand même. Salutations. Affirmatif. Bonjour. J'ai besoin de soins. Salutations. Ciao. Il est gentil, il dit bonjour. Il a pas dit bonjour. Du coup, il s'est fait... Tout le monde a la rêve, c'est obligé. Salut. Salutations. Non, je vois pas de quoi tu parles. Bon après, comme toi, t'écoutes pas trop, peut-être tu l'as. Non, bah non, justement, c'était sincère en fait, je vois pas de quoi tu parles. Okay. C'est un morceau de Vald, Vald c'est un rappeur, puis il a fait un morceau qui s'appelle Bonjour. Ok. Et dans le refrain, il dit, il a pas dit bonjour, du coup, il s'est fait quelque chose. Ah, ok. Bien. Ok. Tu vois. Ok. La poésie française, comme on les aime. Ouais, la belle poésie. Voilà, c'est comme Alex, il dit, il s'est fait câliner sa mère, exactement. Il a parfaitement complété la phrase. C'est tellement un génie, ce mec. Et voilà, comment on attrape une victoire. Ça sera gagné. C'est improbable, ce genre de game est improbable. Hein. Je veux dire, quand je suis pas... C'est pas de la mauvaise foi, mais quand je veux essayer de passer diamant et tout... Ben j'arrive pas, je perds. Et quand je joue random en mode flex et que je tombe en heal ou en DPS, ça m'arrive aussi. On tombe dans des games comme ça et easy win. Ah ouais. Donc vous remarquerez bien ici le random du random quand même. L'improbabilité de ces placements là, qui est la moitié de la team d'un côté, la moitié de team de l'autre. Et pareil pour nous. On joue à quel jeu déjà, Curtis? Rappelle-moi. C'est League of Legends. Overwatch. C'est Overwatch. Sans le T. Overwatch. Overwatch. En dessus des vaches. C'est... Exactement. Putain, c'est tellement incroyable. C'est ça, je vais être ça, le titre du stream. Ouais, tout est lié, c'est l'année du bœuf. Tu vois, vache, bœuf. Oh là là. Overwatched. Ouais. W-A-S-C-H-E-D, genre ça veut dire quoi? Laver ça? Overwatched. C'est beau, bien trouvé ça. Ouais, j'avoue, il est inspiré. J'ai eu ta toilette, ben, je reviens. Pas de problème. Laisse-nous. Ah bah c'est beau ça, c'est-à-dire qu'on pense aux mêmes conneries, donc c'est bien. On est sur la même longueur d'onde, les gars. Il faut pas hésiter, hein. C'est possible. On va lui demander quand il revient, quand même. Voir s'il a tenu ses toilettes au propre. Bon, et puis ben ouais, ces skins ils sont pas mal finalement, hein. Vous en pensez quoi quand même? Ça va, en vrai ça va, hein. Les deux là, le Bastion et Fatal sont pas... Fatal ça va encore, hein. C'est juste qu'elle est blanche comme un... Ouais, comme moi.
On voit pas forcément, mais je suis blanc comme un roux, vu que je suis roux. Voilà, Fatal est comme moi. La carrière de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Écoute. Je trouve que niveau conjoncture et manifestation de masse, ça se tient. Ça se tient. Vous êtes sur un délire Charlie Chaplin là, c'est beau. C'est un artiste, c'est un artiste. La vraie question, c'est faut-il un remake de Charlie Chaplin, tu vois? Remaster 2021, un shonen en couleur, hein? Voilà. Ouais, je trouve qu'il est pas très social, le gars, mais bon, il fait ce qu'il peut aussi, hein. En même temps, il a été doté d'une moustache qui n'est pas sans rappeler certains moustachus. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Belle carrière, les artistes. C'est un artiste qui a une belle carrière. Ah oui, c'est bon. C'était le leader, l'empereur du noir et blanc. On va l'appeler comme ça. Tu parles de la couleur de... Chaplin. Ah ouais, c'est un... Quel boss. Eh oui, effectivement, Silver. Eh oui, il a la moustache des leaders. C'est ça qui est beau. Petit par la taille, mais grand par le talent. Eh oui. Bah, je dirais que même qu'il est plus. Ça aurait pu être un plus grand leader que le leader même. Parce que au moins, il disait pas autant de conneries que lui, coach. Bordel. Bienvenue à Paris. Mais n'empêche. Si tu croisais Charlie Chaplin. Quand tu connais Charles Chaplin, tu vois ce qu'il a fait, tu le croises. Est-ce que tu as envie de parler avec lui? Non, tu as envie d'échanger, mais sans parler en fait. Mais est-ce que quand tu le croises, tu lui dis salut, ça... Je vous laisse compléter. Ah, cool. Cool. Ok, ça marche, Silver. Bah, merci. Merci beaucoup d'être passé. Hein, ça fait plaisir. Reviens Allez, quand tu bisous, veux. Silver. Et puis prends soin de toi. Fais plein de folies pendant que ton corps le permet. Et puis voilà. Préparez-vous au On est vite combat. vieux, hein, je te jure. Choisissez votre héros. Tu veux pas plus au bord du ban qu'un hamster et un Zytok sur la chaîne de Curtis. Ah bon? Oh, eh non. Non, pas tant. Il faut savoir jouer, il faut savoir jouer avec les limites, tu vois. Il faut savoir aller vers la limite sans la dépasser. C'est là où où y a les saveurs sont les meilleures, quand même. Non? C'est où il y a les saveurs les plus épicées. Oui, c'est ça. C'est là. On est sur la tour de Jiang. C'est beau. Ah, elle a été redécorée du coup? Ou pas? Ouais, Elle a les lampions partout. apparemment. C'est cool. Est-ce que quand Charlie Chaplin pète, on peut dire qu'il a des gaz? Je parle de Chaplin. Hein. Ah bah voilà, il a mis le terme, il a mis une boule. Ah, c'est beau. Mais la vraie question, c'est que quand est-ce qu'on t'y pète déjà, ça fait du bruit. Hein? Il prend trop direct. Voilà. Va savoir. Il y a des choses qu'on se demande, hein? Effectivement. Ah ouais. Est-ce que quand il pète, il trouve son slip? Faudra lui demander.
À la limite, je la défonce comme une entrée du magasin à un Black Friday. Ouais. Bah, c'est bien de. Après, c'est pas une question de dépasser les limites ou pas. Hein, en vrai. C'est plus une question de. Savoir où elle est la limite. Et savoir ouais. que tu la dépasses. C'est surtout ça. Ouais, complètement. Parce qu'en soi, à la limite, tu peux. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément avec des sous-entendus que tu la dépasses pas, en fait. C'est juste à contourner, en fait. Tu prends le raccourci. Jusqu'au monde de niveau 4-1, tu vois. Je veux dire. Ah, c'est clair. T'es quand même un professional. À la fin, tu finis le game quand même, tu vois. Donc bon. Ok. Ok. Cette ulti était très inutile. Inutile, hein. N'est-ce pas ? Heureusement que c'était pas chien. Sol peut pas venir parce que c'est du 720p 60. Ah bon ? Ah ouais, excuse-moi. Bah oui. Bah en fait, ça m'embêterait de mettre plus bas, tu vois. Surtout que je sais même pas si je peux, tu vois. Je peux savoir, ouais, je sais pas si tu peux. Parce que dans les options, moi j'ai le choix entre deux différents 1080p et trois 720 différents, je crois. Press F, tout c'est chais. Ouais, bah oui, écoute. J'ai pas de F là, mais si tu veux, je peux t-back dans le game pour lui. Regarde. Ah, c'est pas mal ça. Tu vois, c'est press circle to. Toucher silver quoi. Ah oui, oui, moi les. Je drop des orbes de heal plus que des orbes de dégâts. Hein. Il y a des moments où tu drop des. Vas-y, Bobby, je te tiens, Bobby. Oh. Bon, ouais, voilà, full team! Bien joué! Ça sert à rien ce qu'on a fait, on joue comme des plots, mais c'est le fun parce qu'on. Alors, seul on se prend le karma de m'avoir ban la dernière fois. Oh là là, il s'est pris une teuté lui! Ouais, ouais, chez nous, on parle Jones quoi. Bah ouais. M'excusera mon Reinhardt, mais bon. Il est bien tenu son Reinhardt, hein. Non, j'allais poser mine ultimate. Ah là, ce Hanzo est très fort maintenant, je trouve. Ouais, Hanzo, il est même craqué, on peut le dire, hein, faut pas avoir peur. C'est un rafale de flèches de merde. Voilà, c'est dit. Ah, je t'ai pas dit, Curtis. Dis-moi. On avait joué récemment, je sais plus si c'est hier ou je crois que c'est avant-hier. On avait joué, il me semble, avant-hier Overwatch un peu, on a joué comme d'hab. Hein. Ouais, et ouais, après, ouais. Tu es parti, j'ai continué de jouer avec Lascar et Aspen. Mm-hmm. Et je me suis fait insulter par un Français. J'étais en stream. Non, il me semble que j'étais en stream, donc bon. Sérieux ? Ouais, ouais. Oh, je sais plus, bah là je grid, excusez-moi. Et en fait, genre il m'a dit. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit faut que t'arrêtes de DPS avec ta Ana, machin. Ouais. Ok, je sais pas si tu sais pas l'utiliser, change. Et derrière il me rajoute c'est pas de ta faute parce que t'es suisse. T'as vu ça ? Ding ! Dans les dents ! Direct, alors, ça comme ça. Alors du coup, évidemment, ça m'a un peu venir sur le moment, donc désolé français, mais moi je lui ai dit, je vais pas être effrayé par un merdeux de français, je m'excuse d'avance hein, pour ça, mais bon, sur le moment, ça m'a, voilà. Ce n'est pas contre vous les gars, hein. C'était contre lui, par un merdeux de français qui ne sait pas, qui ne joue pas son rôle de DPS. Et derrière, d'ailleurs ça doit être sur un de mes lives le truc, donc derrière ah ouais, ça, bah ouais, je suis allé voir le replay de la game, tu vois. Je me dis ce serait pas mal, tu vois. Je te mens pas. Et du coup la game. Attends. Oui, bon, bah là, ouais. C'était une réponse de raciste à un raciste. Voilà. C'est ça, ouais. Non. Et je suis allé voir le replay, c'était sur Route 66. Et je te mens pas, pendant la première minute de game, le gars, ouais. Il a joué avec Hanzo, il a tiré 3 flèches en 1 minute. 3 flèches en 1 minute. Oh.
Et tu regardes son gameplay, j'ai rigolé. J'ai demandé à Spen d'aller voir, il était sur mon live, il a vu. Je lui ai dit, mais Lascar, mais va regarder. Le mec, il a tiré 3 flèches en une minute, le gars. Et il vient me parler de comment je joue Manhattan. Oh là là. Voilà. C'était en ranked ? C'était en ranked, oui, surtout, certainement oui. Parce qu'on fait quand même quasiment que de la ranked. Voilà. C'est beau, c'est pas mal. J'avoue, la petite insulte raciste qui va bien. Ah ouais, mais des fois, moi, je suis... En plus, moi, je suis pas... Des fois, moi, je suis en mode con, hein. Je vais pas le monter. Hein. Le gars, il part sur du racisme au calme. C'est un peu naze. Non, il a dans ses 3 flèches touches tirées, il y en a une, c'était une flèche radar pour détecter. Les autres, je sais même plus. Oh là là, et il se planquait, hein. Je vous promets, allez voir... Allez, je vais. C'est sur un de mes streams. Allez voir un de mes streams. C'est plutôt en fin de stream, hein, les gars. Parce que j'avais arrêté stream. Si jamais je vous retrouverai le moment exact. Comme ça, vous serez tout con. On se prend une tannée là. On n'a pas de shield. On galère. C'est cool. Hein. Je vous promets, il a tiré une ou deux flèches, je crois. Dont une flèche sonique pour faire du repérage. Et après, le mec il s'est caché derrière un rocher pendant facile 10 secondes, je vous mens pas, hein. C'est véridique. Il s'est caché, il faisait rien. Il attendait. Putain, mais ils prennent des dégâts en continu là, c'est ouf. J'ai déjà mon ulti quoi. Je fais ce que je peux pour tenir la boulette et elle se barre en fait. Vous voyez là, typiquement ouais, voilà, faire confiance à ses tanks, mais le tank il se barre, il voit pas que j'ai claqué mon ulti pour lui en fait. Bon, on a la médaille dans le soin, c'est normal vu que je suis en burst. Il a regardé mon profil. Sur mon profil, c'est marqué français-suisse en fait. Donc, non, mais c'est pour que les gens. Voilà, je sais pas. J'aurais pu mettre que français, mais ça aurait rien changé. Il m'aurait dit saloperie de français, je suis sûr. Parce que le gars, en fait, c'est pas une question de. Je pense que c'est pas une question d'origine, c'est une question que le gars il s'attaque. Enfin, c'est un raciste quoi. Il s'attaque aux origines des gens, quelles qu'elles soient. Ouais, il est con en fait. Faut savoir qu'un vrai raciste il va autant s'attaquer à d'autres origines qu'à la sienne. Hein. Il s'en bat les couilles. Le but c'est de blesser les gens gratuitement. Ah ouais, c'est... Après, je sais pas, c'était le mec, il était mal luné, tu vois. On a du kill, les gars. Et je me prends une tête. Alors ça, le gars, il l'attendait. Ok. Il a du bon... Bien joué à lui. Il a un bon tracking. Bon, la Diva, elle veut pas les jouer sur le point. Ouais, le Hanzo, ouais. Oh là là là. On va le tuer quand même pour la vengeance. Allez. Jusqu'au bout les gars, on y croit jusqu'au bout, c'est ça, il faut pas lâcher. On lâche rien. On y croit. On mange des chips, des potatoes. Excusez-moi, hein, déformation professionnelle. Il y a des nuggets spéciaux qui sortent aujourd'hui d'ailleurs, enfin qui ont été tu peux les avoir avec l'application. Ça sort le 8 février, les spicy nuggets. Ok, ça a l'air cool. Genre... Putain, ça innove. Je vais la manger cette... Eh ouais, je l'ai eu, hein, je l'ai pas lâché. C'est important de jamais lâcher une ange pour éviter qu'elle puisse lancer sa régénération de vie. La Moira est très bien pour ça, parce qu'il vous suffit même juste de faire un petit poc de rayon absorbant sur elle pour éviter qu'elle commence sa régénération de vie, et c'est parfait. Le but c'est que ça... Parce qu'il faut vous dire qu'elle se régène tout seule tant qu'elle n'a pas de dégâts qui rentrent. Et ça c'est important. Et toujours lui mettre des dégâts jusqu'à qu'elle comprenne que c'est pas elle la patronne quoi. Ah, oh, il s'est pris une flamme le pauvre. Oh là là, mais je me fais déglinguer.
J'aimerais bien revoir ta diva, Zaitok. Ouais. Par contre, ta Anna, je sais pas ce qu'elle vaut, donc. Voilà. Donc j'espère que t'as un bon niveau avec, parce qu'une Anna qui joue pas bien, c'est vraiment. Ça apporte que dalle à la team en vrai. Comme plusieurs persos, si tu sais pas jouer un minimum, la diva, tu arrives à faire quelque chose, même si t'es pas super au top. Mais pourquoi il l'a pas chargé plus son ulti là? Alors ouais, voilà, typiquement les gars. Typiquement, excusez-moi. Typiquement, vous voyez, le Macri, il avait pris la position du haut, c'est classique. Il claque son ulti. Quand vous claquez votre ulti de maîtrise, ce qu'il faut faire attention, c'est de regarder si vous n'avez pas un focus qui arrive. Parce qu'il faut lâcher votre ulti avant de vous faire déglinguer, évidemment. Là, il n'y avait personne qui le visait. Il aurait dû charger plus son ulti. Il aurait pu quasiment full team, le gars. Je pense. Surtout que le Reinhardt était complètement aux fraises en train de regarder de devant. Voyez, comme quoi, vous pouvez avoir une POTG. Et qui vous permet de regarder les erreurs que la personne a faites, quoi. Ça reste un POTG. Ça reste un POTG. Bah ouais, typiquement. Moi, je suis chaud pour... c'est mon dada, ça, de regarder ce que font... Ce que font, ça m'arrive de regarder mes games à moi. Évidemment, c'est le meilleur moyen à l'apprendre. De soi-même. C'est clair. Et je sais que... Il faut que je travaille mes placements, par exemple. Et que j'arrête d'être overkill et tout, de rester à ma place, en fait. Ça, c'est un truc dans Overwatch, tout le monde fait, de toute façon. Dès que vous blessez quelqu'un, vous voyez qu'il lui reste 20 HP, vous avez envie de le tuer, mais il faut pas aller le chercher, ça sert à rien. C'est pas votre rôle. Si vous arrivez pas à le tuer en étant safe, vous ne le tuerez pas, ou vous ne le tuez pas. Ouais, après, je pense que ça dépend des circonstances, parce que si t'as une équipe de tocards et tout, tu sais que personne va aller le finir. Évidemment. Donc, tu vois, selon... Mais ouais, je pense que... Ah, je pars du principe que t'as une... Je suis d'accord avec toi. Je pars du principe que t'as une team pas trop bonne ni trop mauvaise dans le standard, tu vois, que ça suit, etc. Tu vois. Donc, en fait, je pars plus... Bah, quand je joue Diva et je vois un gars 20 HP, je lui rush sa mère. Oui, mais Diva, c'est son... Ça fait partie d'un de ses rôles, en fait, de faire du rush. Ouais, ouais, c'est clair. Parce que tu peux rush, en vrai si elle a 20 HP tu dois rush en la chargeant avec tes tirs, t'as beaucoup de chances qu'elle meure avant que t'arrives à elle, tu peux même faire un comeback, tu fais un demi-tour avec tes fusées et tu reviens encore en arrière, donc tu peux te... Du coup, mauvais exemple, je te mets un carton jaune, Zaitok. Vu que t'es belge, ça passe. Ah, ce qu'on va... Là, c'est... Carton jaune, c'est important d'en mettre, sauf aux Asiatiques, parce que ça passe pas. Ah ouais, c'est moyen. Voilà. Ne vous laisserai pas mourir. Je te mets un carton moule frites. C'est cadeau. Voilà les étiquettes. Oh, c'est beau. Non, c'est pas des étiquettes en vrai. Vous êtes des spécialistes. Carton frites. Exactement, tu vois, je pensais à moule frites. Je prends ton carton jaune et je le peins en rose. Bah, si tu veux. Pourquoi je suis solo là? Oh merde. Ok. Je suis mort là-haut. Vous avez rush sur le point en fait. Donc, vous avez rush sur le point. Je suis complètement. Bah, on va reculer. Moi je dis pas non, hein, Zaitok. Tu peux repeindre mon carton jaune en rose. Après, il faudrait juste que tu m'expliques à quoi ça va te servir. Mais... Ils vont pas venir plus que toi. Reviens. Ah, ouais. Le singe il est grid. Eh oui, grid. De toute façon, notre chocolat il est meilleur. Ouais, écoute, pourquoi pas, hein. C'est pas une question là, je sors pas mon zizi pour vous montrer quel est le plus gros, les gars. Vous avez vos qualités, vos défauts, tout comme on a nos qualités, nos défauts. Bon, nous sommes tous d'accord là-dessus. Ok, balle au centre, on reprend. C'est beau, c'est tellement beau. Mais ce singe, il vend du rêve. Ah, il vient se tenir, Tu le fais pas, mais moi si. Comme une fille de joie. Oh. J'adore ce terme. Je pose tout sur la table comme ça.
Ok, bah oui, mais t'as raison. Hein. Pose tes bourses sur la table, mon ami. Ah, tu parles du chocolat. Ah oh, non, moi je parle de tes bourses. Vas-y. Faudra qu'il m'explique qu'est-ce qu'il fait ce singe là, parce que. Oh là là, on sauve le. Cette hache, elle m'énerve un peu. Il y a une Zarya qui arrive de l'autre côté là. Ah, je me suis fait focus! Bon, là, ils ont tout mis, les gars. Les bourses sur une table, c'est pas très hygiénique. Oui, sauf si tu mets un masque. Exactement. Le masque, ça règle tous les problèmes. Ça ouais. Tu fais un petit panier pour tes roubignoles. Tu vois? Après, t'es clean, hein? Un panier masqué. Les paniers. Les paniers masqués. Je tenais aussi longtemps que je pouvais. Qu'est-ce qu'on rigole ici? Ça rigole, ça rigole. Je suis en train d'imaginer les boules avec un masque. Pour soutenir les bourses trop grosses, utilisez un masque. Oui, exactement. Mais faut que ce soit plus humaniste ton message en fait. Il est sérieux lui? Eh ouais mon gars, moi je survis. Let's go sur le point les gars. Ouais. Tiens, je te bouffe. C'est qui est là-bas? Quelqu'un dans notre camp, non? Je sais pas. Ok, bon. J'étais sur le point. Je mets des têtes à la hache là. Ah, bien joué d'avoir absorbé une partie quand même. Merci, je pouvais pas plus. Comme les soutiens-gorge sur la chaîne de Curtis qui soutiennent ma grosse quantité de points. Okay. Ces fameuses moustaches donc. Oui, oui, je me souviens, oui. Tout à fait. C'est beau, c'est beau, moi j'aime bien, j'aime bien. Vous vendez du rêve quand même, vous arrivez à confondre moustache et soutien-gorge, les gars. C'est chaud parce c'est que en vrai, dans la vraie vie, ça doit être chaud quoi. Vous devez voir plein de mecs avec des soutiens-gorge sur le montant et tout, ça doit être. C'est genre. Faut toucher le point, les gars. J'ai fait ce que j'ai pu. Il y a le Bob qui arrive. C'était pas ouf. Dommage. Bon, on a pas de DPS en vrai. J'ai gold médaillon kill. Je suis en bronze. Hein. Je suis bronze en élimination. Là. Donc, ouais, clairement. J'ai or en soin quand même. Tu vois, avec Baptiste. Donc, bon. C'est... On n'arrive pas... C'est pour ça que ça me saoule, j'ai pas envie de jouer le Majora tout le temps, je suis obligé de jouer le Majora tout le temps, parce que les gars ils assurent pas quoi. Je vais sortir la hanche. On a quoi? On a la boulette diva. Ok, ouais, je... Wouhou! Bah super, ça insulte la team et tout. Mais non, c'est pas des insultes. Il faut pas confondre les insultes et la vérité, mon ami. Déjà. C'est que de les gars qui rajoutent. Non, je vous aime bien, les gars, franchement. Zai, en plus, Zai, je t'aime bien parce que je t'aime bien. Des fois, il n'y a pas d'explication, hein, c'est tout. Je t'aime bien, poteau. Tu vends du rêve. J'aime ton style. Elle veut DPS, alors je vais DPS aussi. C'est si beau.
Ah, en plus, je le pense. Hein. Je sais que c'est difficile de me croire parce que je suis un peu un homme. Je me qualifie d'homme marbré, comme on dit. No expression in my face. Et ça fait faux. Quand j'exprime quelque chose, ça fait faux. Des fois, j'avoue. Hein. Mais c'est pas de ma faute. Je suis né comme ça. Ça faut moquer pas de mon handicap. Je suis handicapé du visage. T'sais. Quand ils veulent, les DPS. Hey, ils sont relous, ils viennent même nous chercher là, quoi. Ils font quoi, ces DPS de chiasse? Excellent. Bon, il y a des gens un peu. Ouais, bon. L'autre, il heal que là, en plus. On va pas faire son taf de healer, un peu. Zéro sleep, zéro anti-heal, zéro heal. Il reste à distance, en fait. Là, il a qu'une vue sur quasiment personne, en fait. C'est bon, on râle le cul. Mais je me fais chasser, ils sont où ces DPS là? Oh là là, c'est incroyable. Ah non, pas incroyable, il meurt derrière. Ça sert à rien de faire un beau truc et derrière tu meurs quoi. C'est useless en fait. Merci pour lui. Nash, elle casse les bonbons quand même. Ouais, elle est où elle est? Elle est top là-bas, ouais, vas-y. Coucou. Attention, t'as du monde sur toi là. Ouais, j'ai vu ça. Bon, moi ça l'a gêné un petit peu. J'arrive, Zoï, j'ai pas vu ta question. Il y a le faucheur sur le point. Je sais qu'ils en profiteraient tous pour foncer, putain, je dis cette fois-ci. Hé, hey, tu crois quoi? Ok, plus de Zarya, casse-toi. Oh yes, c'est passé. Let's go! C'est quoi ta question, mon Zarya? C'est si beau, écoute, je peux peut-être sonner fort en disant ça, mais c'est juste que je suis sarcastique. Si tu réanimes Diva avec merci, ça raise le mec avec. Non, pas du tout. Si tu raises une Diva, elle revient sans son mecha et elle doit le réactiver directement. Donc elle peut se faire instant direct en mini Diva aussi. Donc c'est pas forcément le meilleur des choix de base. Mais. Non. Non, non. Et c'est juste une question de logique en fait, Zai, quand il pense, c'est que la diva ne meurt que en mini diva en fait. Son mecha c'est un accessoire en vrai. De toute façon, avant de tuer la diva, tu dois la des mecs. Et tu vas tuer la petite diva. Donc quand tu restes le personnage physique, pas son instrument de destruction. C'est beau ce que tu... Voilà. Et ceci ne colle pas du tout avec la réalité vu que la boulette vient de passer devant et la boulette c'est aussi un mecha en fait. Donc voilà. Alors, on n'avait pas de hache avant, de Pharah. Et là on a une Pharah. Une Pharah à l'intérieur alors qu'il y a toujours la hache de l'autre côté. Voilà chat. Bah, vous avez le droit de me faire un classement de cette personne au niveau de son cortex cérébral. Donc ça va de Osef à T'es pourri sûrement, ok? À vous de voir. Et voilà, je mange pas. Après c'est logique, mais tu connais la logique dans les jeux, c'est pas toujours très bien... Oui!
Bah la logique Overwatch, il y a plein de trucs qui vont pas avec la logique Overwatch. Mais en soi c'est pas... Ouais bon, il est pourri ce mec, il vole pas avec Safarin. On va essayer d'éviter de... Elle est tellement pourrie cette hache. Lui aussi est pourri en fait. Ils sont obligés de se mettre à 3 sur moi pour me tuer. Et il me tue pas hein. Ah, elle a été soutenue, c'est bien. Ah putain. Bon, c'est pas grave, il l'a cloqué maintenant, ils sont à combien de pourcents? 40, c'est beaucoup, c'est énorme en fait. C'est énorme, surtout qu'on a pas de DPS, donc laisse tomber. Pourquoi jouer Pharah sur cette map? C'est une très bonne question. Surtout si bah, tu sais pas la jouer. Et là encore, tout est relatif parce qu'il y a des différents degrés de savoir jouer quelqu'un, tu vois. Mais je suis désolé, le... Tu prends cher, hein. J'essaie de se tenir... Ouais, merci beaucoup. Ok, parfait, il a fait le taf. Ah là là, je me fais tuer quand même. Les gars, je suis obligé de DPS quoi, c'est dingue. Ça me rend fou. Je venais d'arriver. Ouais, ouais, non, ça me rend fou. Les DPS sont complètement aux fraises. Alors, ouais, pour répondre un peu plus sérieusement à ta question, Zai, évidemment, de base, tu vas te dire c'est pas possible de jouer Pharah sur cette map. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Surtout que pour moi, une bonne Pharah ne joue sans merci, alors que la majorité des Pharah ne veulent pas jouer sans merci parce qu'ils sont pourris en fait. Et là, tu remarques bien que cette para est très pourrie parce qu'elle ne vole pas en fait. Voilà. Yes. Bata. Voilà, une para qui ne vole pas, c'est pas une bonne para du tout. Tu sais déjà, tu sais directement ça. C'est un vrai signe d'une para mauvaise, hein, je te mens pas. Et si t'étais une para correcte, pas bonne, hein, correcte, tu peux la jouer sur cette map sans problème en vrai. Parce que le but c'est de jouer avec ton décor, avec le décor pour te protéger et tout. Je vais essayer de charger un peu tes flammes quand tu les lances. Fais gaffe à reculer un peu poteau, t'es un peu isolé. Nice. La flamme chargée là. Merci. Ensuite tu peux continuer, hein. Je pense venir faire un peu de pression si tu veux. N'hésite pas à essayer de balancer de la flamme. Oh c'est beau ça. Fais gaffe quand même aux faucheurs, hein. Recule un peu. Eh ouais, je me fais aussi. Putain, mais il conteste le point là, faut revenir les gars. Ah là là. Je pense que c'est de mes meilleures parties de Reinhardt en vrai. Ah bon? Ouais. Bon, c'est mort, je pense. Bah, on va remercier quand même les potos quoi. Que je tape et que je les je vois plus les messages dire, je sur le 10 ou 15 secondes après. Ouais, j'ai le POTG. Bizarre, je voyais plus les messages du ah, faut que je retrouve. Je te le dis quand même. De quoi? Ah oui, t'as dit. Bon, ah ouais. Si t'es nul avec Pharah, c'est de la merde. Ah, c'est bon, ça apparaît de nouveau. Quelqu'un montre la marche à suivre. Eh ben, carrément. Ça, c'est, ça vaut tout l'or du monde des kills comme ça. Et ça, il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il était trop prévisible. Donc, Curtis l'a senti venir. Et voilà, il l'a puni. C'est ça qui est beau. Les POTG en de punition, c'est les plus belles du monde, je pense. Ouais, ça, c'est cool. C'est les plus belles du monde. Comme il est tombé quoi, grosse merde. En fait, ça, ouais, c'est vrai que ça rend super bien. Je sais pas si vous voyez chat là sur le live, mais derrière on a l'impression qu'il y a des faisceaux de lumière là sur le mur. C'est blanc et foncé là. Ah ouais, c'est vrai. Et ben ça vient de ma lampe en fait.
Parce que c'est une lampe complètement ouverte, juste avec des petits machins métalliques là. Attends, je vais vous montrer. T'es trop fier de ta lampe. Regarde, hop, je vais vous montrer ça. Vous voyez, ça fait ça. En fait, c'est ça le rendu. Ah ouais. Et en fait, non, mais en fait, je remarque que ça rend assez bien en arrière-plan, en fait. Après, le décor derrière, c'est vrai que, bon, là, vous voyez pas, parce que c'est vrai qu'avoir un overlay trop gros, c'est de la caca sur... C'est l'avantage d'avoir des deux écrans sur PC, par exemple, des trucs comme ça. Ah, clairement. Hein. Mais du coup, parce que mon arrière-plan est très joli, c'est une déco que Jess a fait et tout, je trouve ça super beau. C'est toujours mieux que rien. Ah, c'est clair. En tout cas, je suis content. La caméra PlayStation fait le taf, du coup, les gars. Ouais, ouais, elle est cool. Franchement, ça le fait, ouais. C'est bon. Très content de pouvoir vous montrer mon joli minois enfin. Calmez-vous ardeur. Je vous sens tout foufou là ce soir. Calmez-vous. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai fermé mon tableau de bord stream. Non. Toujours sympa d'avoir son tableau de bord. Il fait chaud par contre les gars. Je vais vous faire une petite surprise là. Deux secondes. Qu'est-ce que tu feras quand les combats auront cessé? Oh, c'est beau ça. Je suis un soldat, Anna. La retraite, c'est pas pour moi. Ouais, vas-y, enlève tout. Ouais. Enlève tout. Ouh là là. Alors, par contre, du coup, là, la caméra elle rend. Je sais pas si je peux retourner l'image en vrai sur la cam. Parce que là, vous arrivez à deviner ce qui est marqué, évidemment. Vous le voyez de toute façon. N'est-ce pas? Et oui, c'est notre cher ami. Basile, détective privé. Trop bien. Attention, t'es Discord là, c'est chaud. Tu prends masse de dégâts. Merci. C'est ça que tu prends en fait, tu peux pas jouer donc. Ah, au moment où je lance, il met son shield quoi. Ah, vous prenez tellement cher là, ils mettent du burst les bâtards. Ah ouais, j'ai pris une flèche. J'ai pris une flèche quoi. Ah là, je voudrais m'expliquer le choix DPS, évidemment. Je ne suis pas prête à raccrocher. Non, mais tiendra pas. Moi, j'ai aucun scrupule. Je me fais tuer comme ça. Ok, bon. C'est dit, box du dragon. Oui, t'as raison. Vas-y, fais des kills comme ça au calme. Joue tout seul. Jouez tout seul, les gars. Vous avez raison. Jouez tout seul. Moi, ça me va très bien. Moi je préfère perdre quand les mecs font leur taf que gagner avec des gars qui font n'importe quoi, je vous le dis cash. Là les gars ils balancent leur ulti random pour faire des solo clutch. Lui là, le soldat derrière lui il le voit même pas. Il a besoin de l'aide pour le tuer quoi. Mais pourquoi ils se battent pas sur le point en fait? Ils sont relous ces mecs. Ils se battent mais pas sur le point. Genre rien à foutre quoi. Sérieux les mecs. Mais faudra vous, je sais pas, arrêter de faire chier le monde et changer de jeu, je sais pas. Si vous savez pas jouer, jouez pas hein. On vous demande pas de... Voilà, tu peux au lieu de le punir, vous le laissez s'enfuir. Le Reinhardt il pif sa charge. Merde.
Je vous en remettrai négatif. Salut. C'est l'heure de passer. Allez, derrière moi. Matrice amplificatrice déployée. Ça va. Ils arrivent pas à tuer, hein. Ouais, y a jamais personne qui tombe. Ils tuent pas, hein. La médaille d'argent, elle est à 1 kill, hein. Ils font pas de kill, là. Mais tape, pourquoi tu mets ton shield? Oh mais c'est quoi ce Reinhardt là? Pourquoi il tape pas? Ouais, c'est un peu relou. J'ai mon anneau mais je m'en bats les couilles. Putain. Trop de morts en fait. Ouais, je vais throw cette game, ouais les gars. Je vous le dis cash. Hein. Ah ouais, on va faire ça, c'est pas mal comme concept. Je vais vous faire un tuto spécial là. Merci. Je vais vous faire un tuto spécial les mecs. Regardez ça. C'est comment ne pas perdre de temps. En fait, parce que souvent dans Rush, je vous rappelle, c'est un jeu de temps, hein. Le but c'est d'économiser du temps pour faire des au final c'est celui qui a plus de temps qui perd au final dans Overwatch, tu vois. C'est ça le principe. Ouais. Ouais. Le principe de base, c'est de faire perdre tout le temps adverse en faisant des kills, en faisant de la défense, l'attaque, peu importe. Le but, c'est de garder ton maximum de temps. Donc, voilà la solution quand vous arrivez sur une game comme ça où vous faites une attaque de merde parce que vous êtes avec des équipiers de merde. Parce que souvent, on se dit, allez, on peut le faire et tout. Non, non, franchement, les gars, vous cassez pas la tête actuellement sur le jeu. Ce que vous faites, c'est vous choisissez un perso ou pas. Donc là je vais prendre un perso parce qu'il y a quand même au bout de 10 secondes tu te fais ban, donc voilà, c'est important de bouger de temps en temps quand même. Voilà, donc Curtis est là. Curtis va peut-être aller combattre un peu. Non, non, il te bug un peu. Ok, ok, moi je on peut rester là, voilà. Et la technique, c'est de, alors si vous voulez que pas qu'on vous embête trop, vous pouvez aller le but c'est de rien faire en vrai, mais vous pouvez aller quand même dans le tas et vous faites semblant. Regarde, vous arrivez là et puis vous faites semblant. Regarde, hop, t'envoies ta zone de soins. Même si tout le monde est soigné, hop, regarde, protection infinie là-bas. Ah ouais. La classe. Allez, je vais entraîner mes jumps. Oui. Alors pourquoi je vous conseille ça? Déjà parce que ce sera moins frustrant. Honnêtement, ça va vous défrustrer un peu parce que. Voilà. Tu dis pampan, ouais, tu dis pampan, regarde. Pampan, 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 pampan. Voilà. Et moi, ce qui m'énerve là actuellement, c'est que la compo qu'ils ont pris en défense, Omar, le. Voilà, je vais pas le dire en. Voilà, parce que c'est un peu raciste. Omar, le machin, il a pas changé, hein. Il est avec soldat depuis le début de la game. Bon. Voilà. L'autre a changé en chacal. Chacal, c'était le bon call. Hein. Il aurait dû le prendre dès le début, en fait. Pour mettre de la pression direct en front. Tu vois. Et voilà. Ça vous avez vu ? Ça allait très vite. Vous oubliez cette game, vous passez à autre chose. Si vous espérez ranker, c'est pas le truc à faire, évidemment. Mais si vous espérez ranker sur Overwatch, vous avez une vie quand même bien pourrie. Hein. Je vous le dis. Parce que c'est un jeu, t'as pas envie de ranker. En vrai. Et le jeu, système de rank est tellement daubé du cul. Je crois que je le dis suffisamment. Ouais, ça vaut pas le coup de ranker, les gars. Ça vaut pas le coup. Ah, on est bien. Alors, vous kiffez Basile? Ouais, c'est Basile. Ça commence par B aussi. C'est Namtab. Namtab? Sa version indienne, c'est pour ça. Ou chinois. Vu que c'est nouvel en chinois, j'ai sorti Namtab. Facile de détecter. Y a pas de crossplay du tout sur Overwatch sinon. Ouais, toujours pas, toujours pas. Ça réglait ça réglerait le problème qu'ils essaient de régler depuis longtemps du matchmaking qui est un poil long des fois quand tu joues DPS surtout. Même si le système de tickets est pas mal en vrai. Ça aiderait.
ça permettrait de jouer avec tout le monde. Le crossplay, c'est la vie, c'est le futur, ça réunit les communautés. Il y a toujours le... Il y a toujours la polémique de l'avantage lié à jouer sur PC, mais ça, tout le monde le sait. Donc, il faut pas, en fait, il faut pas jouer crossplay si t'as envie pour dire plus tard, genre, oh, c'est la triche, il joue sur PC. Tu le sais. Donc, tu joues pas crossplay si t'as pas envie de jouer contre des gars de PC, c'est tout. Ils te laissent le choix, c'est pas une obligation encore. Donc, c'est beau, c'est bien fait le truc. Parce que beaucoup se plaignent à cause de ça, mais c'est toujours un choix personnel. Tu joues avec des gars PC ou non. Derrière, tu vas pas le plaindre. On est d'accord. On voit le monde. Ah ouais. Même les gens. Bon, sinon, Zai, si tu reviens plus tard dans le mois, j'ai acheté le pack spécial anniversaire Blizzard. Et il y aura un skin spécial Reinhardt qui va arriver bientôt. En sergent Reinhardt, qui est un Space Marine de StarCraft, je crois, si je dis pas de bêtises. Je ne connais pas super bien StarCraft. Oh, mais il est stylé. Il est super stylé, skin légendaire Reinhardt. C'est beau. Après, il faut jouer à d'autres jeux Blizzard, hein, parce que c'est un pack Blizzard Collection, donc il y a plein de goodies et de trucs à acheter, mais le pack est... Le plus petit pack, il est 20 balles, je crois. Celui d'après, 40. Le tout grand, 60. Pour avoir le skin Reinhardt, c'était celui à 40. Il y a des trucs... Des trucs que je pourrais utiliser. D'ailleurs, je sais pas si ça t'intéresse, Curtis. J'ai un. Ah, mais non, mais c'est sur mon compte. Désolé, j'ai rien dit. C'est sur mon compte Blizzard, du coup. Ok. Non, parce que j'ai un pass 30 jours pour WoW. Je sais pas si je vais y jouer, en fait. Je pourrais le faire tourner en localité, je pense. Mais j'ai joué à WoW quand j'étais petit, quoi. Quand j'étais jeune. Tu vois. J'ai jamais joué à WoW. Quand j'avais une vie, quoi. J'étais allé jusqu'au level 20 chez un pote. Mais ça m'intéresse plus trop là. Mais voilà, du coup je crois que j'ai du cosmétique Diablo 3 aussi et puis Overwatch. Bon, j'ai pris notamment pour ces deux jeux. Il y a des goodies pour Hearthstone, pour WoW, pour plein d'autres jeux. Hearthstone. Ouais, bah c'est toujours mieux de jouer sur serveur privé, Zay, en vrai, là... WoW, actuellement, je sais pas si ça vaut le coup. Si, enfin... C'est qui joue à WoW dans ta communauté, là? C'était Lotspawn. Lotspawn. Faudrait que je demande si ça vaut vraiment le coup de... Tu vois, genre... Bah, comme tous les jeux qui ont une certaine ancienneté, ça vaut le coup de le prendre, genre, pour un nouveau joueur, de commencer, tu vois. Quels sont les avantages, et puis... Pas dire les désavantages, mais quels sont les avantages et puis les côtés où tu vas galérer un peu. Ah ouais, c'est clair qu'il y a des jeux quand tu dois les prendre maintenant, laisse tomber. LOL en est un très bon exemple. Ouais, parce que LOL il a une certaine ancienneté. C'est chaud quoi. Ah ouais, tu rigoles pas, tu viens dégommer de là. Regardez-moi ce. Ouais, Curtis par contre c'est le justicier, hein. Lui il est relou là. Laisse-moi tranquille ça. Lui c'est le marteau de la justice, hein. Il vient, il dégomme, il rigole pas. Il voit un délit là, il voit l'infraction, il attaque direct. Hein. Là il a vu le piratage, c'est bon, lui il est foutu. Elle est foutue. Mucho mejor. Lui je parle bien espagnol. Franchement, j'aime beaucoup ton accent. Merci. Repéré. Tu viens de Valence. Oui, c'est ça. Au nord de l'Afrique. Mais c'est une région assez. Entraînement, moi je prends un âge, je suis pigeon et je m'en vais. Alors, nous, ce qu'on fait, le truc le plus marrant qu'on ait fait en entraînement, c'est qu'on était tombé. Je sais pas si c'était Curtis peut-être. Non, peut-être avec Lascar et Aspen. On a pris 3 Anna. Et en fait, on slipait le gars en boucle. Et je te promets que le gars a quitté, je pense qu'il a pas trouvé le parti, il a quitté parce qu'il en avait ras le cul, il pouvait rien faire en fait. Ça veut dire... Putain, vous l'avez fait péter les planches. On fait tourner les slips quoi, à 3, c'est beau. Oh, et on l'a tué d'ailleurs, on l'a tué une fois. Hein. Parce qu'il faut savoir que le slip fait 5 ou 10 de dégâts, je sais plus. Je crois que c'est 5. Mais à force de slip, au long tu meurs, hein, et derrière. À force de dormir, tu meurs, c'est une bonne leçon de vie ça.
C'est vrai que c'est marrant de sniffer. Oui. On fait tourner les slips à 3. C'est ça qu'il faut. Il faut faire tourner. Peu importe ce que tu fais tourner, tu fais tourner. C'est ça le but. Mm-hmm. Tu fais ça bien, tu vois. C'est presque sale, dit comme ça. Ouais, ouais, bah, c'est sale, tout ça. On fait tourner les slips à 3. La technique du coma. Ouais, carrément. Coma no jutsu. Yeah. Ah, surtout s'ils sont sales, hein, là, direct, le mec. Ce sera la technique spéciale shonen Zaitok. Sleep Komato. C'est pas mal. Ouais. Ça manque un peu de punch, mais il manque un peu de vibration dans l'air et puis de reverb sur ma voix, tu sais. Ah ouais. On peut, hein. Que onda. Je décale ta voix de quelques millisecondes sur une autre piste, je t'enregistre, c'est bon. Infinite Sleep Komajutsu. Ouais, c'est pas mal ça, c'est bien, tu as de bonnes idées. Pas que ce serait trop long non plus, hein, oublie pas. Parce que le but c'est qu'il puisse la lancer avant de mourir quand même, donc. Ah là là! C'est un peu long cette recherche, lui. Hein. C'est extrêmement long. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Bon. Sur quoi on part? Zaitok, sur quoi on part? Vas-y, dis-moi un perso là. Ah bah trop tard! Magnifique. Tu me diras un perso après pour ce que je vais jouer. Alors, bon, le heal, il n'y a pas 36 000 heal de toute façon. Si tu veux choisir, tu peux, mais. Oh, vas-y, choisis un heal, là. Fais-toi plaisir, Zaid. Donne-moi, je te suis, donne-moi la voix. La voix de la conquête. La voix. La voix. Ah, il est tombé dans sa propre technique, il dort. C'est genre. Zen. Oh, mais là, tu mets en péril la team. C'est beau. Vas-y, hein. Je t'écoute. Zen Lucio, c'est très chaud à jouer, hein, hein, parce que c'est des ultis défensifs, deux façons de soigner lentement. Il faut jouer très lent. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, il faut jouer très lent. Temporiser à un maximum. C'était une méthode de jeu, il y en a, on a acheté qui joue avec Zen Brigitte. Hein. Sérieux? Ouais, il y en a qui font ça. C'est une technique de ça rentre dedans et ça tue avant qu'il puisse faire quoi que ce soit. Si ça marche pas, ton équipe meurt. C'est des compositions qu'ils font en Overwatch League des fois. Là en Contenders notamment. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Après, c'est pas le même level quoi. Oula, ZZZ est tombé à l'eau. Il y a une tresseur. Ça va être on n'a pas de bon pied. Elle m'a tué. Il y a une tresseur sur le point. J'aimerais bien dire que. Ah, let's go. Bien joué. Là, je touche. C'est beau. C'est très beau. Yes. Là, je touche bien, c'est beau. Elle fait du flanking en tir là. Moi, je suis pas du tout. Elle est morte. Ouais, l'Artello. Ok. Ah non, il est tenu par Sange. Il la récup. J'ai loupé ma salve. Eh, je vais me faire bouffer par la Zarya là. Eh ouais, je vais me faire bouffer par la Zarya.
Non mais ça me saoule les tanks, faut que fasse vraiment attention à la rotation des persos là. Derrière toi il y a Fatal je crois. La suffisance. Okay. Ah ouais, je la vois là-bas. Je sais pas si elle joue ou pas en fait. Oh là je vais die hein, du coup. Fatal, j'écoute. Mais les tanks ils font une mauvaise rotation là, c'est ouf. Ah ouais, y'a du kill, ouais. Ah, c'est ouf. Elle est low, la fatale. Elle est top droite. T'es sûr que tu veux le jouer? Bah, tu devrais pas, hein, Lucio. Ils ont plus de range. Ouais, moi je suis mort aussi, hein. La tresseur vient me chercher tout le temps depuis tout à l'heure, c'est bon quoi. Franchement je les recte deux fois. Bon bah elle, voilà, elle vient me chercher à chaque fois avant donc. Ouais. Je meurs à chaque fois malheureusement, je sers à rien là. C'est le pic de Zen, de Zytok, me dit jouer Zen. Je joue Zen. Ah comme il fout la merde Zay. Non, là, moi j'aime bien Zen, donc merci Zay. Ouais, chat, tu joues bien. Mais... Sauf que là, j'arrive pas à m'exprimer quoi. Bien tenté, connasse. Pardon. Ça c'est bien, Curtis a pensé que c'est toujours ma faute. Oui, bah oui, il a pensé, t'es là hein. Ah ouais. Bon du coup Zay, pour l'attaque, je reste sur Zen ou tu veux un autre gameplay de qualité? Il y a le nouvel an maintenant, l'utilisatrice. Bienvenue à toi l'utilisatrice. Oui, nouvel an chinois c'est sorti à 20h. Des beaux skins, en vrai, sympa, en mode de jeu, arcade un peu, qu'on n'a pas essayé, mais ça a l'air bof bof, c'est de l'élimination. Mais oui, c'est déjà là. Vous pouvez profiter des magnifiques skins et d'utiliser votre argent qui traîne. Ouais, c'est cool. Si vous c'est la fête. Voilà. C'est beau. Anna ou Brig? Bah ouais, mais si je te demande de choisir, me mets pas des choix, mais tu... Zay, s'il te plaît. Pas de problème pour l'info. Et bien profiter de ce magnifique jeu. Le combat commence dans 30 secondes. Choisis Anna ou Brig. Anna ou Brig. Moi je prends, moi je suis fervent défenseur de tous les healers, donc je prends ce que tu me diras, Seigneur Zay. Dis-moi tout. Ouais, nouvel an chinois, tu es Seigneur ce soir. Empereur. Empereur Zay, Gohan, ah oh, tu me fais plaisir mon ami. En vrai, Anna ou Brig, ça m'irait, les deux j'adore, ça fait partie de mes heals préférés. C'est... Dans mes healers, il y a Anna, après il y a Zen, après il y a Brig, donc tu vois. Donc en vrai, ça va. Hein. Oh non, il s'est juste tourné au mauvais moment. Ah, il était... Ah, il y a de la cime. Ok, ça anti-heal. Faut pousser. Yes. Attention, t'es low. Ouais. Ok, ils sont anti-heal les deux là. Je l'ai. Attention, j'arrive pas à te heal là, c'est bon. Ouais, ouais. Bien joué. Ok, si tu veux. C'est incroyable. Bon, victoire. Bien joué. Je suis niveau combien? Je suis niveau ça. Argent étoile 1. Argent étoile 1, ça fait 6, 700. 757 du coup.
Oui, bon, c'est pas grave. T'inquiète. Après, les, de toute façon, les levels sur Overwatch, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important en soi. Le seul truc que ça fait, c'est que plus vous avez de niveau, plus vous faites du caca, et ben on va vous faire remarquer que vous faites du caca. Parce que, je sais pas, les gens font une relation entre les nombres d'heures de jeu et le fait que le step-up des gens. Typiquement, un de nos amis Aspen qui était là tout à l'heure, qui a 3300 heures, je crois, de jeu. Donc c'est vraiment un papa du Overwatch. Il stagne hors platine. Parce que c'est dur à jouer en ce moment Overwatch. Faut avouer que c'est très dur. Et il se fait insulter des fois. Parce que les gars leur disent « Mais t'as 3000 heures de jeu et t'es pas bon quoi. » Alors que déjà c'est pas vrai qu'il est pas bon. Il est bon pour son niveau. Et ça c'est un truc. Du coup pour moi les levels sur Overwatch... des fois... Oui, c'est vrai que des fois, tu vois, les levels des gens qui sont nuls, mais je vous parle vraiment du... Vous voyez ? Le caca collé au fond des toilettes qui part pas, là. Voilà, ça. Voilà, ça, c'est du mal. L'image, elle est bien trouvée. Vous voyez ? Le truc qui reste, là, qui est toujours là, qui pue, et t'as juste envie de l'évacuer, tu vois. C'est parfait, c'est ça, c'est des gens comme ça. Ça, c'est des gens, oui, ces gens-là qui ont plus de 1000 heures de jeu sur le game, déjà, ça, c'est pas permis, c'est pas autorisé. Parce qu'avec 1000 heures de jeu, t'as quand même eu le temps d'entraîner, de te renseigner sur le jeu, de développer tes connaissances et de faire en sorte que ton level soit pas trop dégueulasse. C'est aussi une satisfaction personnelle de réussir à jouer sur des persos. Maîtriser un personnage sur Overwatch, ça fait du bien. Vous êtes à l'aise. Moi, maintenant, au début, je galérais trop avec Anna parce qu'Anna est très bien jouée. Maintenant, je colle des slips des fois et je suis là. Ah, ça fait plaisir. Parce que ça y est, je commence à maîtriser. Je commence à avoir le bon timing pour jeter mes grenades quand il faut en heal, etc. Bah, c'est un des les plus durs à jouer en vrai. Mon copain est niveau 700, il joue depuis longtemps, j'essaie de le dépasser pour ma petite personne alors que j'ai commencé depuis 10 mois. 10 mois, c'est pas mal en vrai. 10 mois, ça fait quoi? T'as commencé à quelle saison? Tu te rappelles? 10 mois, parce que moi, je t'avoue que là, sur ma carrière, moi, j'ai commencé à la saison 10. Donc j'ai quand même... J'ai pas pris le jeu en cours de route. Hein. J'ai pas pris le jeu en cours de tour, j'ai pris encore bien après. Des collègues, hein. Maîtriser un perso sur LoL, par contre, c'est un jour comme un autre. Ah, mais LoL, c'est pas pareil, Zytok. Là, tu parles de deux trucs différents, tu vois. Ouais, c'est encore différent, clairement. Y a pas la même courbe d'apprentissage. Clairement. J'ai aucune idée, je fais la magie, je te dis. Ok, ça marche. Ouais, c'est juste pour savoir, je me renseigne, c'est vrai que c'est intéressant, j'aime bien savoir. Parce qu'après, en vrai, les niveaux aussi, ça correspond pas forcément... c'est très vague, le niveau. Parce que ça dépend vraiment le nombre d'heures de jeu que tu joues. Les victoires rapportent plus d'XP en soi, donc... forcément, ça va... Après, j'encourage... mon skin ange. C'est lequel? Le Pacific? Le All-Star Pacific? Ouais. 20 francs, merci. Je suis un collectionneur de base dans les jeux, donc la majorité, j'ai pris le jeu en cours de route, donc il manque pas mal de trucs, mais en général, j'ai loupé très peu de skins. J'ai loupé ma grenade. J'ai l'impression que les meilleurs skins de Mercy est payant d'il y a longtemps. Non, pas forcément. Perso, j'aime beaucoup le skin dragon hein, qu'ils ont fait à je sais plus quel event. Je crois Halloween. Il y a une diva qui dort derrière, si jamais. Ouais. En vrai, les skins d'ange, il y en a des biens. Y a les skins événements sont pas mal. Quand ils font des événements, les skins sont bien. Il y en a eu quand même un ou deux pour ange. Vas-y, dors. Il y a une hache qui dort là-bas. Là-bas où? Ouais, non, laisse le avec là-bas. Là, ici, là. Oui, là-bas. Oui, c'est ça, c'est le là-bas, ici. Tu sais, là-bas, sur la map, là-bas. Tu connais là-bas? Ah, ok. Mais c'est vrai qu'on peut pas ping, quoi, c'est pas comme sur okay. Apex. Donc... C'est... Ah non, pas trop mon style, ça. Ah, tu préfères les skins un peu plus raffinés, peut-être. Ben, plus qui se correspond à Ange de base, en fait.
J'imagine. Ok, bah ouais, pourquoi pas, hein. Bon, je vais mourir, mais bon, je fais des slips de bâtard. Oh, je suis mort aussi. Ok. Bah ouais, bah écoute, ouais, les skins, je t'aurais proposé de jouer ensemble un jour, mais je suis en poids. Alors, pas du tout. Écoute, le poids, déjà, ça a plusieurs... définis le mot poids. Et puis, pour moi, honnêtement, c'est pas une question de savoir ou pas jouer, hein, honnêtement. Ma but en fait c'est d'avoir toujours les skins payants d'ange à venir. Bon c'est beau. Écoute, si tu peux te le permettre, c'est beau. Tiens maintenant moi je vais jouer ange. Bah c'est très bien, j'encourage tous les gens actuellement à jouer les healers de toute façon. Parce que c'est important les healers et j'encourage encore plus les anges parce que honnêtement, ange à notre niveau est pas mal joué mais c'est un perso qui est pas forcément évident à jouer en vrai. Parce que tu es en pur soutien, tu fais pas du tout de DPS, tu fais pas d'apport particulier. Je t'encourage à continuer. Et d'ailleurs, si tu veux jouer avec nous, y a pas de problème, moi je suis open. T'es la bienvenue, ouais, le fun avant tout. Go Bastion, bah écoute, Zai, si tu veux, prochaine partie, je tag DPS, je prends Bastion. Si tu veux. Ouais, y'a pas de soucis, je prends ce que tu veux, Zai. Mais toi, il faudra t'acheter une console et venir jouer avec nous aussi, parce que... Ah, la grenade qui passe. Ouille. Ouille, ouille, ouille. Il en faudra plus. Oh non. Moi, je suis mort, perso. Les healers sont morts. Partout. Ouais, les healers sont morts, du coup. Je fais pas assez de soins avec la... Je vais changer, je vais claquer mon anneau et je vais changer en vrai. C'est qu'une égratignure, tu vas t'en sortir. Sur ça le problème c'est que je vais bien m'occuper de tout le monde mais quand je tombe sur des gens qui me laissent seul quoi... Alors si je peux te donner un conseil, je suis pas un expert en ange, hein, mais souvent ce qui est très difficile avec ange c'est le placement. C'est le truc principal chez ange je pense, chez Merci, comme tu veux ange, merci. Le truc principal je trouve chez personnage c'est de... Alors les gros problèmes actuels dans le jeu, surtout quand tu joues ange, c'est des mecs qui voient qu'ils sont tenus par les healers, mais qui s'enfuient quand même parce qu'ils voient qu'ils sont pas bien. Ça c'est chiant. Après avec ange, quand je dis placement, c'est juste super important en fait. Il faut vraiment apprendre toutes les techniques pour se déplacer avec elle, et puis tes placements, ils doivent être carrés. Hein. Il faut vraiment que tu puisses te sortir de toutes les situations pour avoir une survie maximum. Hein. Je fais ce que je peux, hein, mais... Je m'attendais vraiment pas, en fait. Ouais, papa, c'est bien. Donc ça, c'est un truc qui mène de rien à travailler, et je te conseille d'essayer de travailler, de regarder un peu sur Internet, parce que moi, j'ai pas fait encore mes magnifiques tutos. C'est des choses que je ferai... Malheureusement, ça va être chaud sur console, parce qu'il y a des techniques à faire, je pense que c'est plus simple sur PC. Mais apprendre les techniques de base de déplacement avec ange, ça c'est très important. Que ce soit le jump boost, le... Ben, si t'as envie de jouer avec nous, pas de problème, hein. Je te laisse nous rejoindre dès que t'es prêt, hein. Nous on t'invite. Ouais, mais Zai, c'est pour... c'est pour la commu. Pour la commu, c'est pour toi-même, c'est pour ta santé. Faut être solidaire, quoi. Hein? C'est pour le travail. Voilà. Ah, mm-hmm. Ah, bah si c'est pour le travail. Normalement, tu dois répondre ça. Hein. Si tu as la ref, si tu n'as pas la ref, je te laisse quitter ce live tout de suite. Merci. Ah, bah c'est pour le travail, monsieur. Oh, ah, bah si c'est pour le travail. Ah ouais, mais tu l'as déjà acheté sur... Bah ouais, mais t'attends, si tu veux, je te l'offre. Moi, je m'en fous.
Qu'est-ce qu'il fait ce Reinhardt là? Il joue tout seul et il demande du soin. Ah bah je viens aider Lonzo et puis c'est le, moi ce qui me fait tuer par le Macri et il tue même pas le Macri. Il a toujours pas tué le Macri. Non mais là ils sont daubés du fion là ceux qui sont là. Je l'ai acheté sur PC mais mon PC pue. Bah c'est dommage parce que sur PC c'est sûrement mieux à jouer en vrai. Je ne sais pas, je joue pas sur PC. Hein. Moi sur console je m'éclate. Magnifique, ce serait cool. Ça va faire mal. Ce serait cool. N'hésitez pas, plus on est de fous, plus on rit, plus on s'amuse. Nous on est là pour le fun en vrai. Bah ouais, clairement. Par contre là on a aucune... Il est où notre Reinhardt déjà? Il est mort encore? Ouais, il arrête de jouer. Quoi? Il arrête de jouer? Je sais pas, là il est AFK. Ouais, cool, ouais ouais, il bouge pas, ouais. Cool. Ah oh, bah toi, tu vas tellement passer un sale Karanor. Attends, je sais, je vais contourner. C'est un coup à prendre hein, en vrai. C'est un coup à prendre, Zay. Hein. Et puis FPS, je trouve que c'est un gros mot, quoi. Ils sont tous là? Ok. Un petit peu dégoûté, mon plan était divin. Diva? Vas-y, ouais. Bouffe là. Ouais. Et ton plan était diva? Ton plan était diva. Voilà. Sartek, comment? Ah, si, si, la famille et tout ça. Bon, bah, je jouerai pas Echo, ni Anna, ni Bastion sur console, quoi. Alors, non! Non, alors, franchement, tu dis ça. Oh, non, franchement, sur console, les hitscans, c'est un coup à prendre. Tout le reste, ça se joue. Hein. Après, tu regardes là comment joue ma Ana, je te mens pas. Regarde, option, ma sensi, elle est au max horizontal. Hein. Je joue en max, je suis obligé. Pour avoir du réflexe corps à corps, t'es obligé. Je suis follow, mais je dois te prévenir, ne t'attends pas à ce que... Je sois là tous les soirs, mon copain me prend pas mal de mon temps, donc je viens souvent dès que je peux, je promets toujours de faire mon maximum, mais voilà, mais t'inquiète pas, tu sais, moi aussi, de toute façon, on a chacun notre vie sociale, je suis pas là tous les soirs non plus, là. Tu es tombé pendant que j'étais live, j'essaie de faire pas mal de live, mais c'est quand même très... Ah, ça prend du temps. Ça prend du temps, mine de rien, je travaille aussi, et puis j'ai ma vie de famille, entre guillemets, ma vie sociale. T'inquiète pas, hein, moi, j'attends pas... J'attends pas à ce que vous soyez tout le temps là. Hein. Si vous êtes là de temps en temps, moi ça me fait plaisir en vrai. Je suis après. Oh non. Voilà, c'est ça qu'on veut. Le Macri casse les bonbons là. C'est pas rare que je live, c'est juste que j'essaie de caler mes lives en des petits lives. Ce Macri me casse les bonbons. J'essaie de caler des petits lives. Non, en vrai, je pourrais liver. Je pourrais liver, ça ne se dit pas. Je pourrais streamer tous les jours. Hein. J'ai du temps libre pour streamer tous les jours. Mes streams seraient pas longs, par contre, ce serait entre une heure et deux heures par jour. Bon, c'est déjà pas mal pour un petit streamer. Ouais, c'est pas mal. Après, il faut que je travaille mes autres aptitudes, vu que j'ai. Je serais possiblement doué en. Vidéo YouTube tuto comme mon très cher ami Curtis me l'a fait remarquer. Oh ouais, ça donc on va se développer. Non bah après tu viens quand tu peux si je suis live. Tu viens dire bonjour, tu viens jouer avec nous, y a pas de souci. Ah, bon. Donc voilà. C'est tellement beau. C'est ça qui est beau. Bon, du coup, quand t'es dans le coin, vous avez été heureuse pour toi et pour ta petite famille. Ça m'a heureuse de voir des parents, je sais pas pourquoi. J'ai dit famille parce que c'est famille, c'est en général. Hein. J'ai pas encore d'enfant. C'est quelque chose que je prévois et que j'ai envie. Évidemment, je suis dans le bon âge. Hein. Je suis un trentenaire.
J'ai vraiment envie de créer une famille. Donc, famille, c'était le terme général. Hein. Que ce soit avec ma compagne, avec ma famille, etc. Mais c'est très gentil de. Les plus courageuses. Oh, bah écoute, est-ce que c'est du courage d'avoir un enfant? C'est des responsabilités qu'il faut assumer et qu'il faut pleinement assumer si on décide de les affronter. On va dire, c'est pas facile, on est d'accord. Mais c'est gentil en tout cas, c'est très sympa. Et c'est beau que tu soutiennes les gens qui ont des enfants. C'est très bien. Après, oui, moi j'aimerais être un papa, j'aimerais avoir une petite fille. Ça me ferait très plaisir. Je pense que je serais un bon papa. Et j'en assumerais pleinement le rôle. Mais pour l'instant, écoute, il y a plein de choses à mettre. C'est comme tout en fait, il y a plein de choses qui vont avec ça, avec les enfants et tout ça, donc bon. Hello. Peut-être avoir T'as pas. Est-ce que l'instinct maternel. Est-ce que l'instinct maternel fait tout? C'est ça qu'il faut te poser la question. Et oui, les gens. Forcément, les gens. oui. Du coup, je vais te l'écrire sur le. Je sais plus comment je m'appelle. C'est vrai, en plus, je sais même plus comment je m'appelle, tu vois. Je suis un teubé ou je suis un teubé? Parce qu'en fait, j'ai pas mal de surnoms, j'arrive les gens. Est-ce que c'est toujours Oliver K01? Normalement, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Je dis pas de bêtises, c'est Oliver K01. Je jure, je suis un teubé. Je vais aller voir sur mon état en ligne, utilisateur. En plus, j'aimais pas mon oui, profil. Ouais, c'est ça, c'est le Ouais, parce qu'en plus, il me met pas. Je vais aller voir dans profil parce qu'il met mon nom réel. Vous avez vu mon nom réel? Non, parce que vous pouvez pas avoir accès. Quand je suis dans le. C'est juste. C'est comme t'as dit en fait, voilà. Là, il y avait mon nom réel. Ouais, et du coup, il coupe. C'est Du ce que coup, je il coupe disais, dans le menu, ouais, voilà. Magnifique. Donc, ouais, de toute façon, là, on va jouer détente, hein. Tu viens jouer avec nous pour le plaisir. T'essaies de faire au maximum au mieux, hein. Comme tout le monde. Le but c'est quand même de pouvoir progresser sur le game au final. Ok, hop, lui il dort et il se fait tuer. Il y a une sombra. Ok. Ah, il dort dans son spawn. Ok, la sombra elle a mis son TP où? Dans le spawn ou là? Dans le spawn, ok. Ok, ça arrive. Hein. Oh non. Oh yes. Il y a un pénis, c'est J'ai fait ça. Brigitte. C'est beau, il y a une Brigitte à droite. Ah ok. Il y a le Genji top. Il fait burst. Ah ouais, il y a le Genji top. En burst. Anti-heal sur la tombante. Allez. Ok, Genji il sort. Je. Attention, t'es low. Ouais. Ça va faire mal. Capacité ultime implacable. Il n'y a pas de quoi. Message reçu. T'en veux pas, je suis quelqu'un de très incompréhensible par moment. Je suis pas lui. Si, mais j'ai pas compris ta blague, Zaytok. Ah, j'ai même pas lu encore sa blague, écoute. Oh là, ils ont tout mis là. Là, ils ont tout mis. Ils ont full team, ils ont tout mis. Hein. Alors, tu vois, ma. Attends, compétence, ce sont des très mêmes. Ah, ok. C'est si jamais j'élève ma fille, ce sera oui. L'élever sur Overwatch, ce sera ça. Ouais.
Oui, il est dur à comprendre, hein, Zytok, c'est... Ah, c'est un phénomène, hein. C'est notre Zytok national, quoi. Oh, non, sérieux. Elle fait quoi, la hache, là? Je dis, c'est ce que je veux. Ah, mais t'as le droit de dire faire ce que tu veux, mais... Pas t'attendre à ce que... Pourquoi ils sont pas devant, les tanks? Parce que je suis mort. Ah, pourquoi ils sont pas devant, les tanks? Voilà, c'est... T'as la réponse pour un, en tout cas. Ok. Ouais, je me reposerai quand le combat sera fini. C'est chaud. Ah ouais. Bon. Mon placement était très mauvais, hein. J'aurais dû reculer plus vite que ça. On a envie de mettre de la pression, mais... Faut pas. Ah, cool. Voilà, on est complètement désynchro. Bon. Là, voilà, la Orisa, elle veut juste montrer son nouveau skin, mais elle sait pas jouer à Orisa, elle fait que de reculer. Bon, bah recule, hein, madame, parce que si tu veux. Tu vas aller contest? Est-ce que tu vas aller contest? Va contest, Orisa. Non, mais tu seras rien, toi. Faudra peut-être vous occuper cette... Non? Vous voulez pas contest? Bon, bah, putain. Elle est sympa, cette Orisa, en fait. C'est cool, ça, c'est sympa de sa part. Je suis juste trop tard. Mais réveille-le pas! Ouais, putain, je lui mets des dodos de ouf. Ok, je tente. Ah ouais, vas-y, hein. Fais-toi plaisir. On est là pour se marrer, rigoler. Ah non, pas où on en est. Oh, recule. Le contest, ça se mange. Ouais, c'est avec un peu de curry, ça passe bien. Oh, le piratage, mon gars. Ah ouais, pour le coup là, ouais, j'avoue que tu vas galérer. Jack, ils ont de la peine à la tuer là. En fait, je me suis dit, je voulais je voulais créer de l'espace, quoi. C'est pas une mauvaise idée en vrai, mais bon, le problème c'est qu'ils arrivent pas à gérer la sombre, donc tu vas être emmerdé tout le temps. Déjà de hitscan alors qu'il y en a pas en face, c'est pas compréhensible en fait. Bien joué. Ouais. Coucou. Je te protège. Un Sigma top gauche. Ok. Je vais aller avec le Macri pour le chercher, et bah toi t'es là aussi, parfait. Bon, oh, vas-y, let's go. Oh, elle manque en pirate. Bon, t'inquiète. Je me suis fait auto-dormir. C'est beau, ça. Il m'a renvoyé mon slip dans le visage, quoi. Ce bâtard. Il a eu le réflexe, c'est déjà lui. Hein. Ah, pour info, j'étais là à la saison 22, voilà. Ah ouais, ça fait un petit moment que... Quand même, un petit moment que t'es là. Ça fait quoi, une, deux... Ouais, ça fait 10 mois. Ouais. Et après ta game, m'oublie pas. Oui, bah oui, tu m'as envoyé l'invite, je pense. C'est que j'ai pas les notifs pendant que je stream. J'ai enlevé. Donc, Ok, ouais, je t'oublie pas, t'inquiète pas. Merci. Non, mais c'est chaud là, Lucio il fait n'importe quoi plus. Reflect no jutsu, oui, c'est ça. C'est la technique de substitution aussi. Ce serait beau ça. Kawarimi quoi. Parce qu'on parle bien japonais. Oh! Magnifique! Le pré-shoot de la grenade, je l'ai vu en train de se mettre fufu. Oh, je pensais pas qu'elle était low. Il va où lui? La Orisa, oui, bah oui, mais moi j'ai besoin d'aide aussi. Curtis Sama! Ah ouais, merci. C'est nice ça. Merci pour le nano boost, GG. Ouais,
Oui, c'est sympa. Après ça, c'est mon skin préféré. La chouette blanche, je la trouve tellement stylée. Elle en a plein des skins sympas, mais la chouette blanche, il est vraiment sympa, quoi. Et il dort, le Reinhardt, il est low, il est low. Ah, mais toi aussi, c'était low, d'abord. Nice, on a fait ça, on a tenu, sérieux. Bien joué, bien joué. Tiens, on dort. Ouais, je crois, oui, effectivement, c'est un des préférés à tout le monde. Ouais, quoique, il y en a 2-3 qui sont sortis depuis, il y en a qui kiffent, mais moi, je suis pas fan. Celui du désert, là, et les gens aiment bien, moi, je suis pas fan, tu vois. Let's go, les gars. Vous voulez, mais comme chaque élément utilise tout le temps mon argent pour autre chose. Je suis autant dépensier dans la vraie vie que dans Overwatch. Ah, malheureusement, moi j'ai des budgets, je me suis fait des budgets parce que c'est ma passion, le gaming, donc je me suis un budget gaming qui est assez conséquent en soi, vu que je n'ai pas beaucoup de nécessité en termes d'argent. J'ai pas de problème au niveau de tout ce qui est paiement et tout ça, donc c'est sympa, je me fais plaisir. Dès que j'ai envie d'un truc, je peux l'acheter, c'est ça que je veux dire, et que je me fais plaisir. Il faut juste... si on peut le faire, tant mieux. Si on peut pas le faire, après, ben, tant mieux aussi, parce que c'est pas forcément nécessaire d'avoir tous les skins dans un jeu, tout ça. Faites-vous plaisir quand vous pouvez. C'est l'essentiel. C'est tellement beau ce que tu dis. Merci. Merci. Voilà. L'award du meilleur streamer est décerné à Oliver pour sa performance sur non, après. Sur un streamer ému. Merde, juste un poil trop là. Lando, il casse les bonbons. Ah, il joue vraiment sale quoi. Tourelle, soin. Ah ouais, tout ce qu'il faut quoi. Tout soin de soin. Oui, bah moi aussi j'ai besoin de soin en fait. Oh putain. Oh le sapin. Ça va, je suis mort. Tourelle de papa, non. Pas vraiment. De bonhomme. De bonhomme. On est tous des bonhommes ici. Des papas, pas encore. Non. Ah non, clairement pas. Des messieurs, ouais. On est tous quarantenaires. Dans l'âme, on est quarantenaires après. Ah, si tu parles de conditions physiques, peut-être. Ah, bah oui, ça oui. Ah ouais, ça. Il l'a contré, il l'a flash. Tu vas aller res. Voilà, dors Leonzo, laisse-moi tranquille. Je te jure. Il est relou lui. Dans l'âme, je suis un avion de chasse. Ouais, mais quelle marque, tu sais. Parce que tu peux être un avion de chasse 1912, tu vois. C'est pas pareil. Tu sais, ceux qui étaient pas encore en fonctionnement, quoi, dans le garage, c'est... J'ai loupé ma greu, quel abruti, il y a un rage. Il a dit ma punchline. Oh, comme je suis deg d'ailleurs, moi je peux pas avoir un soundboard. Franchement, j'aimerais trop avoir un soundboard pour le live. Ouais, je demande de renseigner sur ma connerie, là. Attention, ouais. Moi j'aime bien savoir... Parce que tu vois, mine de rien, quand tu dis une connerie, bah, de base c'est une connerie, donc ça peut passer comme ça peut être vu comme du caca. Mais une connerie qui est travaillée, ça passe encore mieux, tu vois.
Parce que là, t'as dit, je suis comme un avion de chasse, ok? Mais t'aurais dit, je suis comme un F-22, je te jure que tu... Quand tu pars loin dans le délire, ça passe crème. Enfin, moi, je trouve, hein. Je trouve que ça rajoute du piment, hein. Oh là là! Ah, ils ont pas fait l'effort, les autres. Non, surtout qu'il y a la lampe. J'ai 20 points de vie. On a survécu quand même, hein, c'est ouf. Ouais, j'avoue. J'ai 20 points de vie. Let's go, merci pour la... Quoi? Ah, je vais mourir, hein. Il vient me chasser derrière, et ça vient me chasser. Ah, le Baptiste. Le Baptiste, bien joué quand même, merci. Excellent. Excellent, Jean-Louis. Ah non, c'est pas ça. Ah non, presque pas loin. Quoi. En fait, t'as fait une fusion entre mon premier et celui de mon frère. Ouais, c'est vrai. C'était pas voulu. Parce que Jean-Louis, ça fait genre... Ça donne bien. Bah, ça fait premier de la classe, mais... Il y avait Enzo qui traînait derrière, excuse. C'est quoi ce BAP? Quel BAP? Je comprends pas, ils sont où nos mates? Ça passe! Bien joué la grave. Il y a un chopper qui dort. Hein. Ouais, j'ai vu, c'est quoi? Je vais le chasser, mais. Ah, quoique. Bien joué. Tu travailles dans quoi si c'est pas trop indiscret? Je suis... Alors, je vais pas utiliser les termes techniques, hein. Je te dis des trucs grossiers, parce que j'en peux te dire, je suis coordinateur, shift manager, coordinateur de car, shift manager, and... Non, okay. Je suis manager chez McDonald's. Je représente le grand M. Dans sa splendeur. Le capitalisme. Mmh. Évidemment. Oh, ce slip! Mais oui, mais c'est ça qu'on veut! On veut du slip! C'est beau et ça gagne! Non, ça gagne pas. Je vais mourir. J'ai 11 points de vie? Non, je suis affaibli. Donc je soutiens la cause des. Des gens qui aiment McDo. Des gros lards, quoi. C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est beau. Est-ce que tu soutiens de la pose des poneys gros lards? Parce que ça existe aussi, sûrement. C'est les poneys qui vont chez McDo. Il travaille dans l'organisation et l'information dans une grande chaîne de station mondiale. C'est beau comme tu dis ça. C'est beau, ça me vaut. Mais il a déjà le skin, lui. Je devrais l'avoir, alors. Alors, si jamais ça, c'est le skin de Raynor. C'est du Marine de Starcraft, je crois. Que j'ai acheté. Ouais, je vois, c'est genre le perso principal. Enfin, ouais, oui. Mais je devrais l'avoir, de... non, j'ai pas regardé. Pourquoi je l'ai pas encore? Hein, je vais me plaindre. J'ai eu les packs. Du coup, je te laisse quitter. Ouais, et puis, okay. Je vais juste inviter. Notification. Souhaite devenir votre utilisatrice. Oui. Voilà. Et je vais t'inviter. Donc, on joue chill, hein. On est d'accord? Bien évidemment. Ouais. Sasageyo. Oui. Mais t'as pas la ref non plus, tu regardes pas assez d'anime, mec. Non, effectivement, je regarde pas assez d'anime. Je t'ai bien rajouté en tant qu'ami, n'est-ce pas? Oui, tu es... Faut que tu regardes... Pourquoi tu n'es pas dans ma liste? Est-ce que tu es Orlin par t'es... hasard? Faut que tu l'invites en partie. L'utilisatrice. Madame, elle a dit. Faut m'inviter en partie, hein. Oui, je t'invite en partie, excuse-moi. Mais par contre, je te... Vous avez traité ces demandes. Oui, tu es mon ami. Par contre, je ne te vois pas dans ma liste. Est-ce que tu es Orlin par hasard? Ah, tu as pu rejoindre. C'est parfait. Alors, Du coup, je veux bien t'inviter en partie. Par contre, je crois que je pourrais pas t'inviter si tu es Orlin. Ah. Je fais du caca, je suis pas habitué à ajouter des joueurs.
C'est quoi, j'en profite pour aller me faire un café. Vas-y, vas-y. C'est bien fait. I come back, my friend. Ça marche. Ouais, du coup, utilisatrice, pardon. Est-ce que tu es en ligne par hasard? Parce que du coup, je peux pas te. T'as pu rejoindre la game, mais je peux pas t'inviter en game. En partie, si tu es en ligne. Je crois que je peux pas. Je vais voir quand même si je te vois dans ma liste. Si tu viens de te mettre en ligne, c'est ça. Excuse-moi, c'est un peu relou ça de pas pouvoir voyager dans les menus et que vous voyez ce que je fais en fait. Ah ouais, effectivement. Tu étais en ligne, voilà. Au moment où je suis venu voir si je te trouvais, t'étais... Parfait. Du coup, je reviens sur le game. Le deuxième, bien sûr. L'ending de Promise Neverland, c'est mieux. Oh, vous parlez des trucs, j'allais dire, chinois pour moi, mais c'est... Bonjour. Hello. Bienvenue. Ah ouais, vous êtes des gens de PS5 en fait. De quoi? Vous êtes des gens de PS5 en fait. Oui, on a la chance d'avoir eu notre notre console. Ah oui. C'est pas forcément nécessaire actuellement. En vrai, c'est pas. Il y a pas énormément de choses développées pour la PS5, donc tous ceux qui l'ont pas et qui la veulent, ils peuvent attendre encore. Je leur conseille de. Après, je dis pas, il y a pas mal de choses. C'est très ergonomique, c'est très rapide, les menus sont mieux faits, donc c'est toujours sympa, mais en termes de jeu. Zai Tok, nana, j'ai une PS5. Non. Bah, Zai, j'aimerais bien que tu. Je t'achète le jeu Overwatch si tu veux. Fous, cash, tu viens jouer avec nous. Faire ton petit malin dans le chat, non. Je veux voir ta diva, là. Je veux voir ta diva. Du coup... En vrai, ils ont fait quand même pas mal de beaux skins hein, durant cet événement, quand même. C'est peut-être le seul truc qui. Les skins actuellement dans les events, c'est la seule chose qui... sur laquelle ils bossent bien, je trouve. C'est très détaillé. Le jeu est un peu à l'abandon actuellement, mais les skins, par contre, ça on peut pas leur reprocher. Hein. C'est très. Ok, mon objectif c'est d'avoir Fatal. Il est trop magnifique son skin. Tu vois, Zai, je t'ai dit, il est beau. Zai n'aime pas trop. La couleur blanche, comme ça, il aime pas. Moi, j'aime bien, c'est pâle, ça colle bien avec Fatal. J'aime bien parce que c'est rose aussi, un peu. Non, là, ouais. C'est... Non, cette année, ils sont très bien, les skins. Hein. Sauf le Bastion. Ouais. Le Bastion, ils ont foiré quelque part. Oh non, arrête, je le trouve grave beau. La tête de dragon est cool. Le reste, c'est un peu trop flamme. Mais c'est pas l'année du buff ? Ah, si, si, tout à fait. Bah alors pourquoi il y a un dragon ? C'est une bonne question. Non, généralement, c'est plus. Ils essaient de faire un personnage, du coup là c'est Orisa qui est basé sur l'année, et puis après c'est plus Nouvel An chinois, donc c'est en général plus tout ce qui touche à la culture chinoise. Mais le taureau, c'est pas un buff ? Oui, c'est de la même famille, c'est... Ah bref. Je vais peut-être lancer un jeu. Il y a Curtis qui va arriver. Il a juste été se faire un café. Il va arriver. Ouais, ouais, pardon. Pas de soucis. Ah d'ailleurs, je vais profiter pour aller prendre un truc à boire le temps qu'il arrive. Ah, je vous laisse. Zai, aucun de ton argent parce que c'est la PS4 crassée, c'est le rame du cul. Ça sert à rien de me payer Overwatch. C'est la vie. C'est pas une excuse, Zai. Il faut l'entretenir ta PS4. Ça se soigne. Bah oui.
Mais j'ai pas compris leur délire de pierre avec le skin de Baptiste là. Alors, dans le détail, je pourrais pas te dire exactement, mais c'est ça fait référence à en Chine, si je dis pas de bêtises, il y a une armée de soldats de pierre. C'est un truc qui existe en vrai normalement, qui fait référence à une ancienne armée avec un empereur. En fait, t'as plein de soldats de pierre, en fait. Ok. Comme ça doit faire référence à ça. Et là, c'est de la terre cuite, donc c'est pas vraiment de la pierre. Ouais, c'est Enfin, plus. un peu. Après, ça, c'est des. C'est du. Mais il me semble que c'est. Je peux pas te dire exactement. Si c'est de la terre cuite Bonsoir, ou de la bienvenue pierre. monsieur. Ah, t'es là, beau gosse. Et voilà. Magnifique. Thug Life. Bon, désolé pour l'attente, ce cafetière italienne, ça met du temps. Mais ça fait du bon café. Ah oui, obligé, il faut. Bon, bah Par écoute. contre, le skin de Macri, il est trop basique pour moi. Ils ont juste rajouté un chapeau, Oui, ils ont dit ok, je c'est suis bon, d'accord. c'est C'est clairement ça. Je suis pas sûr que c'est le meilleur personnage qu'ils auraient pu prendre pour faire ça. Vu que il a un look quand même assez Far West comme ça, le mettre dans un contexte chinois, ça fait bon. Ouais, bizarre. expatrié. C'est beau. Mafia japonaise. Bon, du Alors, vous coup, êtes ready? ouais, on est prêt, Je mets de la couille ou je mets nous. Ouais, de tu la peux base? mettre, ben ça dépend. Parce que, bah écoute, si vous êtes chaud pour la comp, hein, de toute façon, Oui, moi bon, c'est c'est ok, bon. c'était surtout par Je sais rapport à pas si ça madame va là. être possible vu que je suis pas classée. Je peux pas Normalement, ça doit envoyer. jouer. Normalement. Oui, non, ça doit être bon. On va voir de toute façon, c'est pas grave, tant pis. Ok. Je vais Ah, pouvoir moi comme jouer. si je suis pas chiante, je joue tout. Ah ouais, nous aussi, en général. Bah, personne n'est chiant du coup. Ah, ok, d'accord. Oui, chiante. Ça va. Ah. Let's go. C'est bon là, tout ce réflexe, ça va trop loin. Ouais. Normalement. Ah. Tu doutes à cause du fait que. Enfin, par rapport au code ou. On verra. Non, c'est pas ça du tout. C'est des fois le taper taguer flex, des fois. Si t'es DPS, je veux voir une écho. Mais c'est pas de problème, Zai. Je suis pas mauvais sur écho. Je te transmettrai mon full team cadeau. Ah oui. Je l'ai enregistré du coup. Mon Ah full oui. team écho slash faucheur, hein, parce que j'ai copié le faucheur du coup. Et je les ai dézingues, mais oui, je me débrouille bien sur écho. Je suis content. En même temps, tu joues bientôt le monde, Oh là là! Arrête! hein. Il Il faut va te pas. réveiller, là. Je suis modeste, moi. Ouais, t'es trop modeste. Ah, bah nickel, on a enfin. Ça me va. Bon Pas d'écho pour bah. aujourd'hui. Ça veut dire qu'on n'aura Ça pas de viendra. DPS. C'est cool. Restons optimistes, s'il te plaît. Non, ça va, je commence pas bien. Ok. On verra, on verra. Non, restons optimistes. C'est vrai qu'on part toujours en négatif Mais parce c'est qu'on a semi on a le droit à la compliqué crème de la d'avoir crème ça. en DPS ces temps-ci, mais. Viens avec moi. Elles sont bon à moi. Gérard devait être inconscient Juste pendant adapter quelques le son temps. du jeu. Tu ne Vous sais vous rien. entendez un peu mieux. Voilà. Moi, je trouve pas que c'est une très bonne map pour Fatal, mais bon. Ça dépend. C'est, en fait, c'est toujours le souci du niveau personnel de chaque joueur. En soi, elle a des bonnes lignes. Est-ce qu'elle va en faire quelque chose? C'est ça le souci. Ouais, c'est toujours ça. Ok, Reinhardt dort. La boîte qui me pousse. Mais je vais te. Ah, trop tard. Ah non. Attention, il y a de la cime, hein. Il y a les tourelles, ouais, il y a les tourelles ici. Il y a une saut. Ok, la cime qui dort derrière. Derrière, pardon. En face. Je vais essayer de caler ça sur le sens de la map. Je me fais focus par derrière là, il y avait une. Ouais, je me Attention, il y suis a fait des exploser moi tourelles. aussi.
Non, non, mais commence pas, s'il te plaît. Bon, comme tout le monde est dispersé, je prends pas de shield. Oh, les gens qui commencent la game et qui demandent déjà des soins, mais sérieux, quoi. J'ai connu pire et j'en suis revenu. Merci pour le bleu, pour le buff. Ah ouais, non, mais si le perso en duel contre la boule... Derrière toi, il y a une... Ouais. Okay. Nickel. Elle est down. Ok. C'est pas grave. Non, elle est morte, elle est morte. J'étais froid, donc je... Ah là, tu vas peut-être un peu mourir. Oh là là. Ah ouais, c'est chaud. Je suis tombé de l'autre côté donc je peux rien faire. Pas 13. Ouais, pas grave, tranquille. Non. Je ne m'avoue pas. Putain, mais. Pardon. Je suis vraiment une rageuse. T'inquiète, hein. Explique, tu verras. Parce que t'étais toute calme et d'un coup tu sors un gros putain. C'est t'inquiète pas. Vrai. Tu vas le voir. Oh là là. C'est Overwatch quoi. Ouais, ben, je suis mort. Ah ouais, non, les DPS là, il faut qu'ils s'occupent de cette boulette là, ce serait pas mal. La boulette est là, merci pour la raison. La boulette est là, à son bras là, et elles sont bien, Casburn. Oh, faut les toucher. Putain. Oh, si. Ils ont plus de hanches si jamais. Y'a Zen qui dort vers moi. Ouais, je suis pas au tel. Ah. Lélo. Attends, vas-y, continue à tourner là pour vous. Refais un tour. Y'a personne dessus. Non, personne dessus, je le prends. Ok. Je pensais qu'il y avait quelqu'un dessus. Non, non. Là, on a joué comme des Hybrales. Moi, j'ai joué un peu comme une merde. Bah c'est pas grave, on joue pour le plaisir avant tout. Sinon on arrêterait de jouer à ce jeu, n'est-ce pas? Ouais, c'est clair. Ouais, tu tiens pas longtemps sinon. Non mais je heal mal en fait, si je heal mal ça va pas. T'inquiète pas. Exactement, à part que t'es devenu un infâme. En même temps, je joue jamais classé. Ouais, bah en plus si t'as pas l'habitude... Bah c'est clairement pas pareil que la Quick, c'est quand même un peu plus intense. C'est vrai. T'inquiète. Bah, faut prendre ça dans le bon sens. De toute façon, c'est toujours bien de faire de la compétitif, même quand t'as pas l'habitude. Parce que t'es dans les vraies conditions du jeu, et puis t'apprends plus de choses, je trouve. Ouais, c'est clair. Attends, il lâche pas son shield, le faucheur. Pourquoi le faucheur il est pas avec nous? Si, mais en fait, non, moi j'ai voulu me casser. Je me suis fait pirater là. Okay. Merci. Aïe 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 aïe. Oh merde. Attends, je vais essayer de rester. Ouais, magnifique. Le jeu. Ah, ouais, mais on est focus, mais on a pas les DPS, je sais pas ce qu'ils foutent là. Ouais, je suis le seul à essayer de vous défendre. On décale sur le point. Oh, c'est quoi qui tire comme ça? T'es Discord en plus, donc tu prends cher. Ouais. Fais gaffe, hein, y'a de la sim. En fait, vous êtes tous morts en fait. Non, non, on est sur le point. Là. Ah putain, je suis. Ouais, le problème c'est que moi je peux pas lui faire grand chose à la boule, c'est roulé. Ouais, t'inquiète. En soi, elle sert à rien, hein, donc. Non, là elle sert à rien, mais c'est juste que si on l'oublie et tout. Mais qu'est-ce qu'il fout le passion? Il a son mute, il est au-dessus. C'est ouais. Normal? C'est normal, il est de la soie. Attention. Tu parles à des personnes dont le taux de débilité est quand même supérieur à la moyenne. La boulette d'or. Nous on vit ça chaque soir. Tous les soirs, on subit, ouais, j'avoue. Parce qu'on est des guerriers. Ouais, c'est overkill de faire deux ultis là, mais pourquoi pas? Non. Merci. Gentil, Reinhardt. J'étais plus du tout en vie.
Ah non. C'est dégueulasse. Ah non. Ouais, c'est bien pratique pour escape ou pour heal pour safe. Elle est relou cette bouboule en fait. À part tourner là, elle fait quoi? Un vrai guerrier, ça vit lol chaque soir. Non, oh, ça, mais toi, ça c'est un malade mental, c'est pas. Ouais, j'avoue. Alors, c'est moi qui me ramasse plus, j'ai vraiment une gueule qui attire souvent les rémarques. Comme notre ami Aspen. À chaque fois qu'il joue la range, c'est un de ses persos qui joue le souvent, il se prend toutes les charges. C'est systématique. En soi, ça nous arrange, mais. Mais c'est pas de bol quoi. Je vais prendre un shit. Oh, il y a une phare. Non. Allez, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Ok, je peux nettoyer. Ok, plus d'Anna, plus de Phara. Ok, Reinhardt il dort sur la hauteur, ça fait perdre du temps. Ok, elle s'est down. La phare elle est morte. Ouais, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. T'as raté, ça te met. Mais après, tu contestes. T'as Nono, putain, Nono. Oh, c'est pas mal, Nono. Non, non, ouais, c'est chou comme. C'est un petit nano, quoi. Ouais, c'est un demi-ult. Il m'a sauvé la vie. Bon, je crois pas qu'il avait besoin, mais c'était juste pour finaliser le truc. Dissuade mm-hmm. Adjé, quoi. Un Reinhardt Super Saiyajin 2. Exactement, c'est ça. Avec les éclairs partout. Nono, c'est une marque de jus de fruits. Oui, merci Zaytok. Bah tu vois, tu as de la connaissance quand même. Peut-être pas en avion de chasse, mais tu connais le jus de fruits, quoi. Bien joué. C'est bien, c'est bien. Ah, le marque. Oh, c'est beau. C'est beau, hein. Oh, c'est je viens de l'avoir, je suis trop fier. Ah, d'accord. Ah bon? Ouais, ouais, bah oui, je l'ai débloqué. Je sais plus, c'était avant-hier, je crois. Mais. C'est cadeau ça. Franchement, ouais, merci. Attention derrière vous, il y a la boulette. Ouais. On va pas faire chier longtemps. Ah bon, je vous tiens. Il y a le Zen derrière qui dort. Bon, je m'en occupe. Hein. C'est bon. Attention derrière toi, il y a toujours la boulette. Putain, je suis tout seul. Ok. Alors là, deux fois ça prend moi. C'est pas mon ult. Oh, j'ai deux tanks contre moi quoi, logique. Ouais, c'est tout. J'ai pas compris ce qu'ils essaient. Non, non, mais j'ai pas compris ce leur principe quoi. Et où sont-ils nos DPS? J'ai connu pire et j'en suis revenu. Vous donnez pas. C'est quoi dire quoi? Ça veut dire quoi DPS? What is that? Non. Encore une fois, on endort le bonhomme. C'est pas vrai. Non, tu l'as. En fait, le fait que. Ça, en fait, ça l'a poussé. Okay. Ouais, ça l'a poussé, ouais. Faites gaffe aux tourelles. Ouais. Elle est où? Elle est où la demoiselle? Let's go. Oh, Zaytok, tu t'en vas? Ah, ciao, BG. Merci de ta. Oui, alors nettoie bien ta play, s'il te plaît. Tu laisses rien. Ok. Ok. Lui, il claque, c'est. Et puis, il rejoint nous vite.
À plus tard, mon Zaytok. Prends soin de toi. Et des autres aussi. Parce qu'on n'est pas radins ici. Merci. Et attention au Covid aussi. Ouais, attention. Ce truc, c'est partout et c'est un peu relou. Ah, il était. Il y en a partout, ouais. On est envahi, quoi. Je me fais chasser presque au spawn par la boulette, quoi. Mais d'où va le monde? Où va le monde? Je suis. Demain, ça me donne bien que je dise de faire attention au Covid. Demain, je fais les courses. Ouais, bah ouais, il fait des. Ouais. Pardon. Ça vient du cœur, ça. Ah ouais. Non, mais ça fait ressentir des émotions authentiques. Hein. Ok, là, Anna en face, c'est vraiment pourri en vrai. Le Reinhardt dort dans notre escalier. Ok. Ok, là, Symmetra a pris une fléchette direct dans la gencive. GG. Vous avez tous votre vie. Une phare maintenant. Ça touche le point. Ah, c'est la boulette. Il semblerait qu'il y a quelqu'un. Et la boulette. Bien joué. Je sais pas. Merde, t'es de l'autre côté de la barrière là. Recule, ouais. Reviens du côté de. Oh, le faucheur qui prend le Lucio, c'est beau ça. Vas-y, fume-le lui. C'est du 1 pour 1. Ouais les gars, ouais. Attendez, je vais nettoyer. Je suis le cleaner. Ok, là Phara elle tombe. Le chasseur de Phara. Elle doit être deg hein. C'est beau ce que tu dis. Non mais la chasseur de Sim aussi. Oh, ses fléchettes en quick. C'est ça qu'on veut, du quickscope. Oh, il est malin ce Lucio, quoi. Bien joué! Bien joué, bien joué. On est trop fort. On est trop bon! J'ai quand même 25 Elima avec l'argent, quoi. Ah ouais, Moi, je suis quand même choqué que c'est pas nous. Tu dis le. POTG. POTG. Ouais, bon, c'est chaud. Là, c'est un peu nimble des fois. Ouais, c'est que t'as pas de bonne, vraiment de bonnes actions, quoi. Pas de tout dans le moment clutch. Ouais, c'est ça. Bon, t'as le droit aux deux recommandations, c'est beau. Bon, ben ça va. Mettre un esprit sportif au DPS quand même. Parce qu'il le mérite. Parce qu'il le valent bien. Bah oui, franchement, ouais. Je trouve qu'ils alors, étaient. Est-ce que vous me permettez d'ouvrir mon coffre ou pas? Bien sûr. Ouais, ouais, vas-y. Ok, ça va. Bien sûr. Nous te permettons. Allez, j'ai envie de jouer là. Là, je me sens chaude. Ah, direct, ça met la pression comme ça, quoi. C'est beau. Ah. Pourquoi A? Bah, parce que A. Ok, voilà. Du coup, B. Je te réponds B. D'accord. Mais... Ça, c'est fait. Et je suppose que t'avais pas lu mes messages, là, quand tu m'as dit que t'étais manager McDo. Bah, attends, je vais regarder, du coup. J'ai mon chat sous les yeux. Ah, ok. Donc, qu'est-ce que tu attends de moi? Que je te fasse des Big Mac? Tu as faim? Ouais, je suis manager, donc... Sûrement, t'es quelqu'un de France, comme d'hab. Ah bon? Ah, bah, je suis navré de te dire que je ne suis pas français. T'es pas français?
Eh non, Curtis et moi, nous sommes des petits Suisses. Ouais. Ah, merde, c'est pas encore ça. Moi, je suis belge, tu vois. C'est... Ah, Zaytok est belge, celui qui était là sur le chat. Voilà. On a de tout, c'est beau. On a de, on vient de partout. Quoi. T'as vu ça? Les dignes représentants de la communauté francophone. Incroyable. C'est beau, c'est beau. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on fait comme combo? C'est pas. Mais oui, du coup, vu que je suis manager, c'est plutôt moi qui fais faire les Big Mac aux autres, mais ça m'arrive d'en faire aussi, en vrai. Donc tu connais la recette secrète? Je connais la recette secrète, qui n'est pas vraiment un secret. Surtout pas celle des Big Mac, en fait. En vrai, ce que j'aime surtout, c'est la sauce. La sauce Big Mac, elle est bonne. Oui, c'est une sauce spéciale secrète. Caché dans un bunker. Non, en soi, c'est pour te dire que c'est tellement secret, entre guillemets, quand il dit secret, c'est que même sur nos cartouches de sauce, il n'y a pas les ingrédients marqués. En fait, on peut les trouver, mais pas sur les cartouches directement. Si on veut avoir les ingrédients qu'il y a dedans, et si on en a besoin pour les gens qui ont des allergies, des trucs comme ça, ben, il faut qu'on se... Ah, je l'ai eu. Let's go. La télo, je l'ai eu. En fait, on est tous dispersés. Je me reposerai quand ouais, là pour l'instant on est dispersés, ouais. Mais c'est pas grave. Voilà, ça passe. Mais... Enfin, je dis c'est pas grave, ouais. Ah, okay. Attention. La fatale top gauche. Bon, je fais avancer le payload. Oui. Il est où le Zen? Il est derrière le Zen? Ah ouais, il est derrière. C'est bon, bien joué. Oula, Curtis Sama. Bah ouais, je continue à faire avancer le payload parce que c'est le but. Okay. Oui, bah tout à fait, c'est le but. Tu vois. Ah merde, j'ai fait une grosse erreur. Oh là là, vous avez me détruit. Non, ça va, t'inquiète, tout va bien. Oh là 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 là, oh non, mais je suis vraiment pas mieux de débit. Qu'est-ce que t'as fait? Parce que moi j'ai rien vu de très méchant là pour l'instant donc. Pendant qu'il dormait? Ah, pendant qu'il était en matrice. Eh oui, bah écoute, tout le monde le fait, hein, y'a pas que toi. Donc. Non. Ah, là on va se les prendre ces marteaux pilons par contre. Il dort le Reinhardt, il anti-heal maintenant. Il est low, bouffe-le! Dommage. Ah non, il y avait un ange qui est venu, puis bon. Dommage. Très bonne chose. Ah oui? Très bonne chose, ouais. Ce petit, c'est les retournements de situation. Ce Reinhardt ne me vend pas de rêve, quoi. Que quelqu'un fasse bouger ce qu'on voit. J'ai dit ce Reinhardt, ce Faucheur me vend pas de rêve. Ok, ouais, je t'ai dit, entre Reinhardt et Faucheur, je confonds les deux à chaque fois. Pourtant, ils ont pas la même morphologie, là. C'est chaud. Ouais, c'est marrant. Irrespectueux. Ouais. T'es un peu piffé comme ulti, non? Ouais, je sais pas ce qu'il a fait. Ouais, on est d'accord. Il a craqué le mec. Si. Lui aussi. Oh yes, il s'est suicidé. Oh, bande de guignols, ça a vu. Oh, il s'est fait raise derrière vous. Non, Sainte Marie de Jésus. C'est... Mais nos DPS là, de nouveau, c'est improbable au fait d'être nul à ce point là. Ils ont rien fait de la game quoi. Oh les soins en plus, oh là là, les soins ils sont nuls, oh là là, c'est cool là. Ouais, j'avoue, ouais. Le truc c'est que on a... j'aimerais bien un peu d'espace. Hein. J'aimerais bien un peu d'espace. Le problème c'est que la Dariel joue même pas avec toi en fait. Donc, moi, c'est ça. Moi je vais mourir là. Non, sainte. Il était malin. Il était malin. Sauf que en pendant stream, que. J'avais lâché un truc de ouf. Ouais. Je me suis contenu. T'inquiète pas, c'est gentil monsieur.
Tu es bien, tu es fort aimable. Ouais, je vais sortir une dinguerie, laisse tomber. Ouais, mais tu vois, là, typiquement, il y a un Reinhardt dans le dos, je veux dire, la team devrait aller dessus, tu vois, pas seulement nous trois, tu vois. Ouais, ouais. On est combien ? C'est pas grave, Die. Bah, ce serait bien, là. Il est mort, en fait. Il est mort avant tout le monde, là, en fait. Est-ce qu'il va faire un ulti clutch ? Il a pas envie de claquer son ult, hein. Il a pas envie de claquer son ult, le faucheur, hein. Oh, mais quel abruti de nouveau, c'est... ça me rend fou, quoi. Oh, mais il pue la merde. Je dis ça souvent, en plus. Je dis exactement ça, je dis souvent qu'il pue la merde, mais... Oui. C'est ma punchline, ça. Alors, attends, parce que j'ai l'impression qu'il veut plus énormément, mais il y a que Diva plus à jouer, en fait. Bah, je vous dis pas, hein. Nous on n'est pas là sur. De... Ah non, je suis pas d'accord. Zarya joue pas avec toi, elle devrait jouer avec plus avec toi, mais malheureusement. Elle joue avec elle-même. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais vu son bouclier en fait. C'est ça qui est beau. Bon, est-ce qu'on applique le théorème de défaite ou pas? J'ai hâte. C'est parce qu'on joue pas soin, quoi, tu vois, parce que là, la dernière, je jouais soin et tout, et on avait réussi, c'était grâce à moi et tout. Bah oui, écoute. Bah ouais, bah voilà, tu vois, je suis trop fort, c'est tout. Hey Bastion, écoute-moi ça. Oh, comme elle est insolente, la petite. Direct. C'est beau d'avoir confiance en soi, c'est bien. C'est beau, mais l'insolence... Non, c'est direct, ça c'est carton rouge. Pour l'instant, c'est du 50-50. Enfin, c'est du. Non, c'est du 100% en fait, ce qu'elle dit. Qu'on a fait une victoire quand elle était heal, et puis on va sûrement perdre celle-là quand elle tombe. Donc pour l'instant, c'est du 100%. Ce qu'elle dit est véridique. C'est toi qui m'as dit d'être positif avant. Ah ouais. On a pas perdu encore. Ah ouais, attends alors. C'est bien parti pour. Oui, oui, mais attends, parce qu'il doit avancer, laisse-leur 30 secondes s'il te plaît. Il faut leur laisser le temps aussi d'agir, tu vois. On a quand même un mec dans notre équipe qui s'appelle Ladyboy Joao. Je suis trop jaloux de son pseudo. Aïe. Ladyboy Joao. Ouais, bah oui, mais écoute. Ils font mal en plus, hein. Ils agissent fort, ils attaquent. Je te heal comme je peux, hein. Allez, montre-moi comme tu es forte. Bon. Allez, vas-y, sauve la game maintenant, vas-y. Attends, j'arrive et je me chope direct le Macri, quoi. Bon, ça y est, t'as tenu quand même. T'as pu tenir, ouais. Ah, tu fais de la survie au moins. C'est ça, c'est beau. Ouais, pas très longtemps. T'inquiète. Ouais. On est avec des personnes de qualité, donc. Si vous regardez, genre en appuyant sur ça, il y a soldat, Macri, c'est stylé. Je suis un enfant du coup. Ah, alors je pense que tu peux passer cette POTG. Oui, d'accord. Parce que c'est ça là ce qu'il va mettre avant de faire son ulti. J'étais tellement obnubilé par dans mon viseur que je suis pas. Je suis d'accord. Parfait. Oh, petit mode de Sigma. C'est bon. C'est beau. Faudrait que je check s'il me manque des skins d'event, savoir si je vais investir un peu ou pas, en fait. Ok, vous pouvez lancer quand vous voulez pour ma part, je suis prêt, je suis chaude. Ok. Tu me dis quand t'es prêt, Oli. Je suis prêt. Ok. El famoso pro. Caliente. Bon, ça, on va... Ah, je suis bientôt classé en tank. On va changer de strat, on va partir sur un DPS. Let's go. Yes, ça va prendre 10 ans. On est bien d'accord. Ça va, t'as mis une coupe fil, non? Bah oui, y'a pas moyen sinon. Sinon, ça va vraiment prendre 10 ans. Pour de vrai. Tu seras grand-papa. Ça veut dire que dans 10 ans tu seras grand-papa. C'est magnifique ça.
Merci. Pourquoi ? T'as le ton destin. C'est un destin un peu pourri quand même. Je déteste les tresseurs, je vous avoue que je les insulte. Ah, et moi j'adore jouer très bien. Le surnom de Symmetra pour moi c'est la pute. Alors... La pute. Ah oui, carrément. Oups. Oui, c'est très méchant, je sais, mais je la déteste. Ok. Écoute, que de l'amour quoi. Moi j'aurais envie de te dire pourquoi pas. Hein. Après, on ne sait pas si c'est des activités extra professionnelles, donc ça passe. C'est vrai. Et le gars, comment elle s'habille et tout. Ah, ça par contre, faut faire attention parce que. Ça peut être discriminatif envers une certaine communauté. Tu sais, c'est une femme libre, elle s'appuie comme elle veut. Ouais, c'est vrai, vous avez pas tort sur ça. Tu vois ? Pourquoi tu juges comme ça ? J'aime pas les tresseurs parce que elles tuent des gens. Elle quoi ? Elle tue des gens. Ah, elle tue des gens. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, elle tourne autour de moi, je sais pas. C'est moi ça ? Ouais, c'est moi, ouais. Ah, ok ! Ah, c'est très certes, ça fait partie des personnages que si tu la maîtrises tu et que tu arrives à jouer avec dans une game, tu prends un plaisir de fou. À être insupportable comme ça, à tourner autour. Ah ouais, très bien. Oui, c'est clair, c'est vrai que c'est drôle. Où est-ce qu'elle est, la Big Boss ? Let's go ! Gagner un duel contre McCree, ça fait du bien. Non, Big Boss, j'ai dit pas Big Box. Ça veut pas trop dire la même chose en fait. Mais... C'est pas très flatteur, Big Box quoi. Je gère totalement. Non, pas très sœur. T'inquiète. Je suis pas méchant. Lui par contre, je l'aime pas trop lui. On l'a refait, ok. Ah. Ah non, ah bâtard. Très bien. Mais je l'aime pas trop ce Macri. Il essaie de me flash mitraille là depuis tout à l'heure. C'était moi, mec. Ah, c'était toi ? Mais avant aussi, c'était toi, non ? Ah oui, c'était lui ? Non, avant c'était pas moi, non ? Ah, avant c'était pas toi ! Non, moi je voulais juste la fumer. Ah, il est parti ! Ah, ok, excuse-moi. Je te laissais libre. Ah, bah voilà, parfait. Non, non, je vais me créer avant, c'est pour ça. Ok, ça t'en prend. Ah, là, j'allais te laisser tranquille, hein. Non, non, là, j'allais te laisser tranquille, c'est toi qui m'a collé. Quand je te vois, tu me fais peur. C'est du harcèlement, madame. Oui, bon, après, c'est vrai que c'est chaud. Parce que quelqu'un qui te fait peur dans la rue, tu vas lui mettre un pain, c'est chaud. Non. Je suis à deux doigts d'aller sur Twitter et de lâcher un hashtag MeToo. Hein. Je suis... Waouh. Oh, yes. Duel avec une hache. Il y a une fatale. Voilà. Une fatale, là. Ah, elle est partie. Ouais. Ok. Salut. Bonjour. Bonjour. Je vais travailler parce que j'ai plus l'âme. J'ai tout vu. Je ne veux rien savoir. Ah bah tu sais, il y a eu vraiment ce moment où il a chargé son point. Incroyable. Il fait chaud ici. Ah, c'est toi. Attention, je suis ton ami. Il est au Zoomfist. Il est en bas. Il y a Macrie. Ouais, c'est okay, bon. Ok, ça c'est parti. Il y a deux Zoomfist et une Tresseur. Ok. Je sais pas, on est combien ? On est 3 dans la game ou quoi ? On voit personne. On est 4, 5. On est 5 en train de jouer. Attention, il y a une autre Tresseur. Hein. Il n'y a plus d'autres Tresseurs. Ah, c'est toi, ok. Fais gaffe. Ah bon, vraiment ? Ouh là là ! Ça rigole pas. On tape dans le lourd là. Est-ce que pas de jouer avec les niveaux plus petits, ok ? Mais on est exactement du même niveau. Ah merde. Tu peux pas jouer comme ça, c'est méchant. Bah non, c'est sympathique, ça te rend plus forte. Il faut dire merci. Ah, le proverbe, c'est pas ce qui te tue te rend plus fort. Tu vois. C'est un peu. Ouais. Non. C'est pas tout à fait ça, monsieur. Celui qui te force à raise te rend plus fort. On double.
Bon, alors, mine de rien, je suis à combien de live là? Ouais, ça, j'arrive gentiment à la fin de mon live là. Gentiment, ouais. Ça va être la dernière game de mon live pour ce soir. Mais après, t'arrêtes de jouer ou pas? Non, non, je continue. Ah, ça m'arrive. Parce que faire des lives trop longs, c'est pas ouf, je trouve. Pourquoi? Je sais pas, au début, ça, je pense pas que c'est très. Ça apporte énormément de faire plein d'heures de stream. Je sais pas que la quantité, ça. L'expérience me l'a appris. Ouais. Donc on arrive sur 3 heures là, c'est déjà pas mal. Hein, c'est pas... Ouais, tu t'es mis à 3 heures. Moi je me dis, quand je stream, je vais faire au moins plus de 3 heures. Moi 3 heures c'est bien. C'est... Je stream rarement, plus, alors je me dis, hop, allez, ce jour-ci on va se faire. C'est beau. Il est où, j'avais un Lucio là, non? Alors attention parce qu'il y a déjà une fatale. Ouais. Aïe, il est où? Aïe. Ah, le chacal, le perso le plus skillé du jeu, hein? N'est-ce pas? C'est un des persos les plus durs. J'adore, il suffit de spammer. Il dégoûte, il a tous ses kills. Oula, je suis en chill là, je vais attendre un peu. Pareil. Oh non, mais non. T'inquiète, je te rêve. Gracias. Que le Seigneur te bénisse. Oh, c'est beau ce que tu racontes. Bah ouais, c'est toujours. C'est beau. La fatale, elle essaie de faire du. Vraiment? Ouais, je sais pas, elle s'emballe. Hein. Ouais, elle essaie de faire des têtes comme ça pour sauver le point, on fera pas. Hein. Je dis pourquoi pas. Hein. Attention, je lâche des boulettes, hein, Lucio. Ouh, t'as les fesses qui chauffent, là. Non, le bâtard. Oula, une fatale vénère, là. Elle a pris une boulette, là. Ah ok, il y a la Ana et la Fatale sur les hauteurs là. Ok. On a attaqué le point quand même. Ce serait sympa, j'avoue. Oh là là, je me suis pris une vieille balle. Oh là là, le petit. Ah, qui? Incroyable. Je vais rien dire parce que je vais le faire. Pourquoi? Je suis low là. Le petit bot. Ouf. Le bot qui fait le taf, mais je meurs. Mais ils jouent comme des pommes en face en plus là. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, nos tanks aussi sont là. Voilà. Il y a des tanks qui sont pour le truc, hein. Ouais, mais ils créent pas d'espace en fait. Ils se focus pas sur les bons trucs. C'est un push, sa mère. Ouais. J'ai pas compris ce qu'il veut lui là. Ah ouais. Ah là, c'est le cadeau lui. Lui il pue le. Ah ouais. Je vais rien dire. Non, non, il ne peut plus pas. Ça va pas passer. Ah, oh, sérieux, mais donne-moi du soin là, Zen de caca. Je suis à côté du Zen, il met même pas une orbe d'harmonie quoi. Rien du tout. Ça lui coûte rien du tout. Quoi. Putain. T'es mort ? Faut appuyer sur une touche quand même, c'est ouais. Compliqué quoi. Ah merde, t'inquiète, j'arrive. Ouais, non, mais c'est ça qui me. On n'a pas immobile, hein. Faut toujours bouger, hein. Sinon, tu vas te ramasser une tête, tu vas rien comprendre. Écoute, je te remercie pour tes conseils, petite, mais ça ira. Ah, il joue le duel, c'est beau. Non, t'inquiète, je sais ce que je fais. Sauf là, c'est bon.
Emrys, qu'est-ce que tu fais? Aïe. Mais qu'est-ce qu'il a contre moi, lui? J'en ai marre. Arrêtez-moi si vous connaissez celle avec... Pourquoi tu me vois, il est obligé de me tuer? C'est vrai? Ça, c'est la classe. Ah yes, voilà, il finit par tomber. Ok, bah venez pas sur le point, hein, ça nous arrange. Très bien. Let's go. Une petite quadruple au calme. Et ça passe. J'ai pas compris pourquoi ils sont pas venus de contest. Je sais pas, ils sont restés en haut. Ils étaient bien, pardon. Bon, faites pas mieux que ça, hein, histoire que j'ai de le protéger. C'est beau ce que j'ai monté. J'avais pris ta date, tu vois. Mm-hmm. Il y avait une fille qui avait pris May. Enfin, je pense une fille, je sais pas, je m'en fous. Il y avait quelqu'un qui avait pris May, en gros. Et en fait, durant tout le long de la game, je pense qu'elle voulait Fatal, donc elle a pas arrêté de me mettre des murs quand j'essayais de viser et tout. Oh, c'était infernal. Ah bah toi. Ah, ça c'est magnifique ça. Ouais, il y a des gens comme ça. Nous aussi on a eu, alors je sais pas si c'est avec toi Curtis ou avec Aspen. On est arrivé dans une game, il y avait une Pharah. Elle a, comme toute la majorité des Pharah, elle spam j'ai besoin de soins pour avoir une ange qui la suit. Pour la pocket. Et la meuf, elle a littéralement pas joué, donc elle nous suivait au sol en disant j'ai besoin de soins pendant toute la game, tant qu'on lui donnait pas une ange en fait. Incroyable, elle a ruiné juste une game juste parce qu'elle voulait faire, elle a même pas tiré un missile, hein. Elle voulait juste avoir sa fin. Là. Non, t'es pas là, ça avec la semaine. C'était. C'est un problème. Les gens, ils s'en foutent, quoi. Ils s'en foutent. C'est abusé. Il y a une Pharah d'ailleurs. Parfait. Ouais. Faudrait que tu joues le duel. Tu te sens chaud? C'est chaud, hein, les duels Pharah. Non, je me sens pas chaud, mais c'est pas grave, on improvise. Ouais, j'avoue. Moi je vais mettre un peu de pression sur la front avant tout. Ok, il y a là, mais. Ok, merci. Je vais mourir, hein. Ah là, Brigitte, elle a pris 2 kills au calme. C'est improbable au fait. Ah, il faut quelque chose pour la Pharah là. Hein. Bah, on s'est suicidé. On s'est buté tous les deux. Exécution des manœuvres de vol. Elle est plus là. Elle va reprendre Pharah, je vais prendre la écho du coup. Tu pourras te focus sur le sol comme ça. Les héros ne meurent jamais. En vrai. Voilà, okay. Maintenant moi je me casse en fait, tu vois. Ah. Je suis libre. Ouais, reste pas là, hein, tu vois. Ouais, je vais mourir. Ok, il y a une limite. Très bien, si le meurtre gueule, ça retourne. Et ok, je vais m'occuper de la Pharah du coup. Ah, t'as changé? Ok. Bah, tu voulais pas prendre la écho? Ah, bah, j'ai pris écho pour la Pharah principalement. Comme ça, toi, tu peux continuer le Pharah et puis t'occuper de. Ah, je croyais que toi, tu voulais quelque chose. Ah non. Mais, okay. Je croyais que c'était dans le but que je change, j'avais pas capté. Bon, de toute façon, à l'intérieur là maintenant. Elle va perdre le duel direct, hein. De toute façon, elle est tombée, la Pharah contre l'écho, y'a pas photo. Hein. Ah ouais, j'imagine bien. Il est lourd le Hanzo là. Non, j'ai Zarya qui arrive à me cramer là.
Ah ouais, mais ce Zen là, il me casse les couilles. Il peut pas envoyer une orbe d'harmonie, quoi. C'est avant de crever, quoi. Je sais pas si elle reste en fait. Je dis ça, mais je sais pas si elle reste. Ouais mon gars, qu'est-ce qu'il y a? Moi je te bouffe avec ma phara écho là. Je sais pas pourquoi, j'adore copier une phara quand je suis en écho. C'est juste pour le swag, tu vois. C'est pour le troll en fait. C'est pour le troll, ouais. Carrément. Je sais pas. Non, après, bah, en vrai tu charges un barrage en 2-2 hein, aussi, hein, si tu touches bien. Ouais. Le barrage il est trop bien. Ouh, t'as de la chatte! Merci beaucoup pour le soutien, merci. Merci. Elle a pris tout dans la bouche. Bon, ça va. Full team. C'est l'éclate en fait. Oh, ça fait super longtemps que j'ai pas entendu ça, mon dieu. Ça passe. Ouais. Allons, on verra bien. Oui. Bah, viens, viens, on t'attend, mon ami. Attention, il y a la phara. Oh mais non, il m'a bum, c'est toujours la meuf. Y'a la phara toujours, Mello. Let's go. Ok, bien joué. GG. Oh, je suis sûr. Ça allait trop bien jouer, surtout sur cette deuxième partie avec les hauteurs là, un coup. Un plaisir. Quelqu'un qui a été en face ? Ah, ok. Ah, si tu veux. Elle a vraiment solo lutte ? Ouais, elle a essayé, ouais. Ils ont tous quitté, en fait. Ouais, ils ont tous rush quitté, du coup. Ok, c'est bon. Ah, ok. Bon, on apprécie. Oh là là, ça me fait rire les vacances. Quelle douceur. Normalement, en classé, quand il y a des anti-cheats, ça devrait quitter la game. Ça fait ça au tout début, ouais. Ah, je savais pas. Mais une fois que la partie est lancée. Enfin, je sais plus combien c'est de secondes. Je sais pas, un certain temps. Écho en ligne. Vous reprendrez bien un morceau. Bonjour, toi. Tant qu'à choisir. On sort ses meilleurs emotes. Ajustement de l'angle d'attaque. Exactement. Oh, t'as pas la réplique, Curtis? Ta famille? Bah, laquelle t'as dit? J'ai un serpent dans ma botte. Ah non, je l'ai pas. Mais. J'ai celle-là. Bonjour tout le monde. Merci. Pourquoi vous la tuez? La pauvre, elle est toute seule. Ah, moi je tire à côté. Puis la pauvre, écoute. Voilà. Ouais, j'avoue qu'elle a pas eu de chance, quoi. Écoute, ça reste une adversaire. Hein. Curtis qui achève les ans au salt. Pas de merde. Ah bah tiens. Ah, de merde alors. Waouh, il a appuyé sur triangle. Ouais, ouais. C'était joli, putain. Ouais.
Sartek. Écoute. Le triangle, ça aide. Ma petit j'aime, moi aussi, j'appuie sur triangle. Ah, oh, c'est beau, merci. Il n'a rien voté, le Zen. Je lui ai fumé sa race. C'est beau, quoi. Mais un j'aime, mais quelque chose. Ils sont quoi les autres? Je vais arrêter mon stream d'ailleurs, ça me fait penser. Parce qu'il y a Aspen et Lascar. Il y a Aspen sur Overwatch, effectivement. Las aussi? Mm-hmm. Ah ouais. Il faut les inviter. Pourquoi ils jouent leur coin, les vilains? Peut-être qu'ils viennent de Sco. Mais... On va voir. Bon, je vais arrêter mon stream là. Ce fut un plaisir. Comme à chaque fois, évidemment. Ah, ok. Jay s'est passé sur le stream, elle m'a pas dit. Bon. Eh ben, je vous dis à la prochaine, tout le monde. Revenez voir cette magnifique... Non, ça colle pas avec moi. Revenez, hein, déjà, ce serait cool. S'il vous plaît. Puis je vous dis à bientôt. Mais tu joues en fait jamais des gars. De quoi? Attends, ton perso le plus bas, c'est qui? Personne. Ok, ça s'y mettra. Bonsoir. Bonjour.